Bien le bonsoir à tous, bienvenue à tous euh, pour ce live de, de méthodologie euh, sur comment aborder sa DFSM3, je vous souhaite tous la, la bienvenue. J'espère euh, que vous allez bien, j'espère aussi que vous allez, euh, que vous allez euh, profiter de cette soirée. Je pense que vous avez fait le bon choix en venant ici, hein. il paraît qu'il y a un match de foot, mais, euh, mais je pense que, que ce sera que c'est ce, le bon choix que vous avez fait. Alors euh, d'abord j'aimerais d'abord voir sur le chat, pétez-vous un peu sur le chat là en attendant d'abord le retardataire pour voir euh, un peu de quelle fac vous venez, aussi de quelle année vous êtes, comme ça je saurai un peu si, euh, si bah, je pense qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui sont en fin de D3. Mais il y a aussi probablement des gens euh, qui, sont, qui prennent peut-être de l'avance et qui sont en fin de D2, voire même peut-être en fin de D1, euh, qui sait. Et puis dites voilà un peu euh, les différentes villes, comme ça je verrai un petit peu euh, les, euh, les différents horizons. Est-ce qu'il y a des gens euh, qui viennent du sud Est-ce qu'il y a des gens qui viennent du nord euh, ce sera plutôt intéressant. Alors, moi je m'appelle Nicolas Allard, euh, je suis interne de neurologie euh, à Paris. Euh, je suis actuellement en quatrième semestre et en l'occurrence, là tout de suite, je suis à l'hôpital euh, Foch. Euh, donc, euh, j'ai ai beaucoup aimé faire un tutorat euh, auparavant, euh, durant, durant toutes mes années d'études, en fait, de ma deuxième à la sixième année. Et, euh, et notamment, je n'ai pas fait de méthodologie. Euh, j'avais beaucoup faire ça et quand j'étais externe, je me prenais beaucoup de plaisir en fait à discuter avec mes co-externes, et, co euh, et notamment des, des co-externes qui ont très bien réussi, pour voir un peu euh, bah, comment ils faisaient, que, quelles étaient leurs différentes manières de faire. Et j'ai même en fait écrit un petit guide pour les étudiants de mon ancienne fac auparavant, euh, une fois que j'avais terminé ma, ma, ma sixième année. Et notamment, j'avais beaucoup apprécié en fait. Euh, euh, interrogé quand je vous dis, mes co-externes. Et une fois que j'avais terminé les ECN, euh, je m'étais un peu euh, renseigné auprès des meilleurs étudiants de ma promo. En fait, j'ai tout simplement posé un petit sondage auprès des meilleurs étudiants de ma promo pour leur demander un peu euh, comment ils faisaient. Je leur ai fait euh, voilà, plein de petites questions. Et puis, euh, à partir de ça, du coup, j'avais vu un petit peu euh, comment... Euh, bah, est-ce qu'il est y avait vraiment des meilleures manières de faire et, ou bien est-ce que vraiment c'était juste du pipeau et à partir de ça, du coup, j'ai beaucoup réfléchi. Euh, et euh, du coup, je suis là pour vous présenter, euh, je pense, des choses qui, j'espère, je vous seront utiles. Alors là, du coup, on a pas mal de villes. On a Montpellier, Strasbourg, Lille, euh, pas mal de Détroit quand même. Euh, on a un hôpital, euh, un hôpital américain. On a, on a Amiens. Alors, big up à la fac d'Amiens, C'est mon ancienne fac. C'est là que je viens. Comme quoi, il est tout à fait possible euh, d'arriver de, de, euh, de interne à Paris en faisant une fac, entre guillemets, une petite fac. Euh, Montpellier, il euh, y a même, des, des, y a même des, des P2 dis donc, étonnant Paris Ouest, euh, mais externe actuelle euh, une future majeure de promotion euh, et des D3 euh, bon, il y a quand même pas mal de monde là vous, vous pouvez voir donc le premier euh, le premier message de Cartésien en fait qui montre euh, que vous pouvez tout à fait télécharger le support du live donc le diaporama, vous n'avez pas besoin de prendre de notes tout sera à sur internet, vous, pouvez, vous avez même le droit de regarder ce live autant que vous voulez voilà, c'est cadeau pour vous euh, voilà, voilà. Vous pouvez poser des questions euh, sur, sur le chat. Euh, moi, je vous conserverai sur mon diapo, mais euh, j'ai un cher ami qui s'appelle Kevin Chevalier, qui, est, qui était externe aussi avec moi à Amiens avant, qui est actuellement interne de médecine interne et qui va euh, répondre aux différentes questions sur le chat. Il connaît mon diapo, donc il sait très bien de ce que je vais dire. Euh, et puis, s'il veut me transmettre des questions, bah, il va me les transmettre par télépathie. Vous savez, on fait, on fait ça à Cartésia des fois. Euh, non, en fait, il va aller sur un Google Doc. Bref. Et euh, comme ça, je pourrais voir un petit peu euh, quelles sont vos questions principales. Donc, ouais, donc je pense qu'on a, on a eu le temps d'attendre les différents retardataires. Euh, bon, en attendant peut-être encore un petit peu, je vous présente rapidement la conférence Cartesia. Euh, donc, il y a quelques, quelques diapos de Cartesia qui vous présentent leur préparation. En fait, l'idée de Cartesia, c'est vraiment euh, de vous faire comprendre euh, pour ensuite vous faire apprendre. Et moi, j'adhère totalement à cette vision des choses. Parce que comme je vous l'expliquerai plus tard dans le diapo, c'est vraiment très important de comprendre ce qu'on voit pour en faire une synthèse et pour pouvoir apprendre beaucoup plus facilement après. Et vraiment, c'est l'idée de cette conf et moi je trouve j'adhère totalement à ça. En fait, ils font toutes les spécialités du programme et, euh, et euh, ils allient en fait surtout des cours et des entraînements. Il n'y a, euh, a pas que des entraînements, contrairement à la plupart des autres confs. Il y a aussi pas mal de cours, euh, des focus sur des concepts de compréhension qui vous permettent ensuite du coup de d'appréhender mieux vos cours, vos, vos items par la suite. Il y a pas mal de confs, il y a plus de 80, voilà, vous avez de quoi faire. Et euh, il y a aussi pas mal de focus en fait, des petits points très précis sur, un, sur des éléments qui vous permettent de mieux comprendre. Voilà, donc euh, en plus vous pouvez même profiter là, il y, a, il y a une petite promotion, et puis même si vous êtes boursier, vous avez droit à un petit prix, donc profitez-en. Voilà. Alors euh, bon ouais, moi je suis un petit peu euh, je suis un petit peu. Euh, un petit peu euh, Intimidé par tout ça, hein, vous êtes quand même nombreux, là on approche les 800, vous voyez, euh, en plus j'ai des caméras partout, j'ai une caméra là, j'ai une caméra là, j'ai une caméra là, j'ai une caméra là, une caméra là euh, je peux même faire ça, je peux faire ça, vous voyez, je peux m'amuser à faire plein de trucs. Euh, bon, on va essayer de faire ça comme on peut, quoi. Euh, commençons tout de suite. Alors vraiment, les buts de la séance, euh, ça va être de vous donner tout simplement le max de conseils utiles pour optimiser votre réussite. Et en fait, j'ai essayé de faire ça sous forme de questions. En fait, hein. j'ai tout simplement demandé aux différents euh, étudiants que je connaissais de mon ancienne fac, euh, bah, qu'est-ce qu'ils aimeraient que je traite comme sujet, quelles étaient leurs questions, et puis comme ça, bah, j'ai tout simplement essayé de répondre à ces différentes questions. Okay. Euh... Donc, tout d'abord, il y a un point euh, très important, c'est euh, de voir en fait euh, si la méthodologie, c'est étudiant, dépendant ou pas. Ça, c'est un peu un disclaimer. C'est même en fait la base. Je pense qu'on vous a peut-être déjà souvent dit que il euh, y a autant de méthodologies que d'étudiants. Euh, voilà, il y a euh, tel étudiant, eh bien, euh, euh, il travaille d'une certaine manière, mais tel autre étudiant ne travaillera pas du tout de la même manière. Pourtant, tous les deux peuvent tout à fait avoir des très bons résultats. Hein, on dit souvent, il ouais, y a autant de méthodes que d'étudiants. Mais d'un autre côté, il y a aussi des gens, ils vous disent, ah, mais oui, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, et euh, ils vous disent, c'est ça qui marche et pas autre chose. Et donc, d'une un, certaine manière, souvent quand on est externe, on est un peu tiraillé entre les deux. Vous voyez, je pense que inconsciemment, on se pose des questions, on se dit Bah mince, alors, et d'un côté, il y a des gens qui nous disent que. Euh, on fait comme on veut parce que il euh, y a autant de méthodologie que d'étudiants. Et puis d'un autre côté, il y a aussi des gens qui nous disent, bah, il faut faire ça, ça, ça marche. Et donc alors, qu'est-ce qu'il faut retenir Eh bien en fait, euh, en interrogeant les bons étudiants de ma promo, en fait, comme je vous vous l'expliquer euh, peu avant, j'avais euh, interrogé les 10 meilleurs étudiants de ma promo euh, de 6 sixième année dans l'ancienne fac. Et j'avais remarqué qu'il y avait des points qui étaient assez universels parmi eux. Il y avait des points qu'ils euh, faisaient tous ça. Par exemple, ils travaillaient tous un certain temps de travail par jour. Un minimum hein, évidemment il y avait une fourchette hein, c'était pas un temps précis mais ils travaillaient tous un minimum quand même il euh, y a pas mal qui faisaient du sport vous voyez en fait il y avait des trucs assez consensuels et puis par contre il y avait aussi des trucs qui étaient très variables entre eux par exemple euh, certains travaillaient sur des fiches toutes faites à l'inverse certains travaillaient sur des collèges il euh, y en a qui allaient à la BU il y en a qui allaient pas à la BU et donc en fait ces choses là ça dépend des gens donc c'est pour ça que c'est ce qui est marqué sur cette diapo là il euh, y a euh, en fait pas mal de choses en méthodologie mais il y a des points qui sont vraiment étudiants dépendants. Hein. Euh, ces choses, pour ces choses-là, par exemple, c'est le fait de faire un planning bas, ça là-dessus, euh, c'est vraiment euh, pas de recette miracle. Vraiment faites comme vous voulez. L'idée de ça, c'est que vous pouvez euh, faire ce que vous voulez. Dans tous les cas, ça marchera tant que vous travaillez. Il okay ne faut pas être anxieux concernant ces manières de faire. Il ne faut pas vous dire... Ah mince, euh, je suis pas allé à la BU, c'est probablement pour ça que j'ai raté le concours blanc officiel. Eh bien non, c'est faux, ça, ça c'est pas important. Donc ça c'est important de connaître ces différents points-là parce que comme ça vous vous direz que euh, vous pouvez faire comme vous voulez pour ces points-là, vous réussirez quoi qu'il arrive, ok par contre, il y a aussi des points euh, qui sont assez universels parmi les étudiants qui ont bien réussi. Et ça, je pense qu'il faut vous en parler. Et c'est notamment aussi l'intérêt de cette conf. C'est vous dire, voilà, des choses qui marchent vraiment. Et il y a vraiment des choses qui sont assez universelles parmi les bons étudiants. Et donc, je vais essayer de vous dire euh, bah, déjà aussi pourquoi ça marche. Et euh, vous, après, vous ne serez pas forcément d'accord avec tout, hein, mais vous pourrez tout à fait piocher ce qui vous semble utile euh, pour, euh, voilà, essayer de comprendre, pour essayer d'apprendre, pour essayer de tirer le maximum de choses de cette conf. Alors, je vais faire ça sous forme de trois parties. Il y aura euh, tout d'abord une course de fond. En fait, euh, ça va être la plupart du temps de, ce, de, de cette conférence. La course de fond, ça commence maintenant. Hein. Je pense que vous savez euh, tout aussi bien que moi que vos collègues de 6e année viennent de terminer les OCN cet après-midi. Et maintenant, c'est vous les prochains, hein, euh, en tout cas ceux qui sont actuellement en fin de D3. Et euh, bah, maintenant, il va falloir travailler pour votre D4 et pour vos OCN. Hein. Et dès maintenant, commence cette espèce de course de fond qui est un véritable marathon pendant lequel il faudra travailler tous les jours jusqu'à euh, jusqu peu avant les océans. Donc ça, ça va être le plus long. Ça va être jusqu'à environ à peu près un mois avant les océans. Ensuite, la deuxième partie, ça va être la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, euh, c'est grosso modo un mois avant les océans, ou deux mois avant les océans, ou bien 15 jours avant les océans. En fait, en réalité, c'est la, la période juste avant les océans où vous dites, mince, euh, je ne peux plus travailler de la même manière qu'avant parce que j'ai l'impression de ne plus avoir le temps de faire un tour supplémentaire. Et donc, euh, bah, qu'est-ce que je fais Alors, est-ce que je fais du cours Est-ce que je fais des QCM Les océans approchent, j'ai plus le temps de tout refaire. Et donc, on est un peu déboussolé. Donc, je vais vous parler aussi de cette partie-là. Et à la fin, en un petit peu de temps, je vais vous parler des jours des ECN, Parce que les ECN, ça dure trois jours. C'est pas rien, ces trois jours-là. Hein. Et donc, il va falloir essayer de bien gérer ces jours spécifiquement aussi. Et après, vous aurez le droit de profiter, euh, de, profiter de la vie. Mais euh, en fait, c'est seulement en ayant bien travaillé au préalable, je pense. Que vous pourrez vraiment au mieux profiter de ce qui se passe après. Donc tout d'abord, je commence par la course de fond. C'est vraiment la plus longue période. Globalement, c'est de actuellement, là, tout de suite, jusqu'à aller grosso modo, mai, mai. Hein. Mais évidemment, ça dépend des gens. Pour certains, pour certains ça va être un mois avant les OCN. Pour d'autres, deux mois. Pour d'autres, jusqu'à 15 jours avant les ECN. Donc ça dure quand même pas mal de temps. Hein. Ce n'est pas tout de suite les scène Ça prend encore un petit peu de temps. Tout d'abord, premier truc. Je vais vous parler de méthodologie aujourd'hui, certes, mais en fait, il s'avère que la meilleure manière de faire, euh, c'est de travailler. En fait, je ne peux pas vous parler de méthodologie sans vous faire remarquer l'importance du travail. Et vous dites, ouais, c'est évident, c'est sûr, on va travailler. Euh, mais je suis obligé de vous dire que, euh, quelle que soit votre méthodologie, si vous ne travaillez pas, ça ne marchera pas. Et si vous travaillez, ça marchera. En fait, tout ce qui est méthodologie, tout ce dont je vais vous parler après, c'est vraiment euh, presque annexe euh, par rapport à l'importance de la quantité de travail il okay. donc faut vraiment pas mettre de côté le travail. Ce n'est pas parce que je vous donne des de, de clés de méthodologie que vous pouvez vous dispenser de travailler. ça reste le plus important. Okay. Pourquoi c'est plus important Eh bien parce que en fait, parmi les bien classés, euh, le seul truc constant, constant, toujours constant qu'il y a parmi les mieux classés, c'est qu'ils ont tous beaucoup de travail. Ça c'est clair et net. Donc c'est la meilleure manière de faire. Ok en plus, ce qui marche bien, c'est que euh, si vous travaillez pas beaucoup, vous ne trouverez pas de bonne manière de faire. Par contre, à l'inverse, plus vous travaillerez, plus vous trouverez de bonne manière de faire. Donc, vraiment, c'est euh, très important. Et en fait, chaque année, euh, j'ai plein d'externes qui me posent des questions, qui me demandent Nicolas, vaut mieux faire ci, vaut mieux faire ça, etc. etc. Est-ce qu'il veut travailler sur des collèges, est-ce qu'il veut mieux travailler sur des fiches, etc. etc. Euh, en fait, j'ai l'impression qu'à côté de ça, il ne travaille pas beaucoup. Et j'ai envie de dire Mais en fait, ces questions-là, les... c'est important, certes, mais le plus important reste le travail. Okay Donc, il ne faut pas. Il euh, ne faut pas vous arrêter de travailler juste parce que vous avez peur de votre manière de faire. Non, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous travaillez, il faut continuer à travailler. Il hein? ne faut pas être anxieux concernant votre manière de faire, hein, quitte à du coup euh, travailler moins. Alors, forcément, aujourd'hui, travailler plus, oui, mais euh, comment faire Alors, on vous, souvent, on vous dit souvent, oui, il faut travailler régulièrement. Alors, ces choses-là, je pense que vous les savez depuis la passesse, mais je pense que ça ne fait pas de mal de les revoir un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire travailler régulièrement On vous dit toujours, ouais, il faut travailler régulièrement et tout. Mais ouais, travailler régulièrement, ça veut dire qu'il faut essayer de travailler tous les jours. Hein. Tous les jours parce que malheureusement euh, vous pouvez pas travailler 20 heures par jour, c'est pas possible, vous aurez vous épuiserez au bout d'un certain temps. Donc en fait, ce qui marche bien, c'est d'essayer de travailler un petit peu tous les jours tout en se reposant aussi un petit peu tous les jours, et comme ça, vous pouvez travailler agréablement tous les jours toute l'année sans aucun souci. D'accord, donc en fait, cette diapo bon, est un peu compliqué, mais c'est juste pour dire que tout le monde a besoin d'un temps minimal de repos par jour pour être efficace sur long terme. Si vous travaillez trop d'un coup, vous allez vous épuiser, je rappelle le Major de ma pro de PACES. il était brillant, mais il s'est épuisé au bout de la fin de la quatrième année, et il en a eu marre. Donc il ne faut pas s'épuiser trop rapidement. OK euh, Et en fait l'idée voilà, c'est qu'on a un temps maximal de travail par jour euh, qui est quasiment non extensible. C'est-à-dire qu'à euh, un moment, vous ne pourrez plus euh, travailler genre 15h, heures, 15 heures par jour. Vous ne pouvez pas rattraper le temps perdu entre guillemets. Donc l'idée c'est vraiment essayer de travailler régulièrement un peu chaque jour, comme j'expliquais je avant. Imaginez, c'est comme si vous avez un marathonien. Si le marathonien, il va trop fort au début, il va s'épuiser et au final, il aura été moins loin euh, que le mec qui a été régulièrement. À l'inverse, si le marathonien, il va à deux heures au début et qu'il dit, bon, voilà, je vais faire une pause, je vais prendre un pique-nique au début et puis après, on va foncer. Eh bien, non, ça va pas marcher parce que quand il va essayer de sprinter, bah, il va s'épuiser trop rapidement, et il n'aura pas non plus rattrapé celui qui va régulièrement. D'accord Donc, c'est la même chose en sixième année, même pour tous les OCN en fait, pour ceux qui sont les années d'en dessous. Alors, euh, il vient forcément la question de combien de temps travailler par jour. Là-dessus, euh, je n'ai pas de réponse claire à vous, à vous donner euh, parce que, en fait, il y a forcément des gens de votre entourage, ils vous ont dit ⁇ Ah, Nicolas, écoute, moi, je travaille 14 heures par jour, euh, forcément, j'ai super bien réussi et tout. ⁇ Et à l'inverse, il y a aussi des gens, euh, bah, ils sont trop forts, ils ont des classements de ouf, et puis quand vous les voyez, ils disent ⁇ Ah non, moi, franchement, c'est cool, je travaille 6 heures par jour, et puis je vais au bar le soir tranquille, et vous vous dites ⁇ Bah merde, alors ⁇ et moi alors je travaille et puis pourtant je n'arrive pas aussi bien que celui qui travaille moins, etc. etc. Et donc là vous comprenez, vous ne comprenez pas, vous êtes dans une totale incompréhension et ça c'est un peu difficile à vivre. Donc d'où vient ce paradoxe En fait l'idée c'est tout simplement que euh, la, le temps de travail ça ne veut rien dire. Le plus important c'est la quantité de travail en fait. Le plus important, en fait, comment dire, il ne faut pas seulement prendre en compte le temps de travail, il faut aussi prendre en compte l'efficacité au travail. Si vous travaillez beaucoup, vous travaillez longtemps, mais que vous n'êtes pas efficace au travail, ça ne va pas marcher, d'accord Donc peut-être que celui qui travaillait 6 heures, il était très très efficace au travail. Et il y a moyen toujours d'être plus efficace au travail. Donc ça c'est très très important. Comment être plus efficace au travail En fait, le mieux, c'est tout simplement de savoir vous reposer. Et du coup, lorsque vous savez bien vous reposer, vous profitez bien de votre repos. Et comme ça, après, quand vous revenez au travail, eh bien, vous êtes à fond dans votre travail, vous êtes à 100% dans votre travail. Et là vous serez bien plus efficace. Donc je vous dis vraiment, je le répète, la meilleure manière d'être efficace au travail, c'est savoir bien profiter de ces temps de repos, savoir bien profiter de ces temps où voilà, on n'est pas en train de travailler, où c'est cool, voilà. Et après par contre, quand vous êtes en train de travailler, on s'y met à fond. Hein. Ça, ça marche vraiment bien, et au final il y a moyen de bien réussir sans travailler 14 heures par jour. Pour vous donner une idée, les différents étudiants que j'avais interrogés, euh, c'était très variable. Hein. Il y avait des gens qui travaillaient alors j'ai hors période de stage. Hein. Si, on, si on donne des jours où on n'avait pas stage, eh bien, euh, ils travaillaient entre 8 et, euh, et 10, 11 heures par jour. Mais ça n'allait pas beaucoup plus haut, en fait. Hein. Il n'y a pas besoin de travailler 14 heures par jour pour bien réussir. Et euh, en fait, les gens qui travaillent 14 heures par jour, c'est exceptionnel. Ça arrive quasiment jamais. Okay. Donc vous pouvez tout à fait bien réussir votre année si vous travaillez régulièrement en sachant bien vous reposer et en profitant une année quand même plutôt agréable. Quoi. Il y a un truc qui marche plutôt bien, c'est l'idée du chronomètre. Alors, ça, euh, ça, je pense que ça peut vous être utile en fait. C'est euh, Éric Rouchaud, c'est le mec qui a écrit La Brigée est très bien classée, c'est le livre orange, euh, qui, qui, a, qui avait dit ça lors d'une conf méthodo. Où, en fait, il disait que euh, ça peut être utile des fois d'utiliser un chronomètre pour euh, essayer de voir combien de temps on travaille effectivement par jour. Donc lui, il actionnait son chronomètre à chaque fois qu'il était en train de travailler. Et puis, euh, quand il ne travaillait pas, dès lors qu'il allait sur Facebook ou sur YouTube ou bien sur... Euh, ou bien parler des amis, etc. etc., eh et bien, il stoppait le chronomètre. Et euh, comme ça, il voyait effectivement le temps de travail par jour. Et vous allez être étonné, hein, moi-même j'ai essayé, je suis assez étonné, et souvent on travaille moins de temps qu'on ne le croit. C'est parce que souvent, quand on est en train de travailler, bah, on n'est pas vraiment en train de travailler, on est en train de faire d'autres choses, etc., etc. Et donc, euh, le chronomètre, ça, ça va vous permettre de voir effectivement le temps de travail, et ça va vous permettre de voir euh, aussi quel jour vous travaillez mieux, quel jour vous travaillez moins bien, etc. etc. Moi, j'ai utilisé ça pendant ma fin de D4, c'est-à-dire ouais, pendant les 2-3 deux, deux, derniers mois avant les OCN, hein, euh, parce que bon, pendant toute l'année, ça fait un peu beaucoup quand même, mais pendant les derniers mois avant les OCN, je pense que ça peut vous être utile voilà, pour vraiment euh, être efficace sur le travail, et pour vraiment profiter de ces temps de repos où vous n'avez pas le chronomètre en marche. Alors, il y a quelqu'un qui dit, enfin, il y a Amélie Baker qui dit quand vous parlez de course de fond en dernière ligne droite, mais dernière ligne droite arrive environ quand Un jour, un mois, 15 jours avant les OCN. bah C'est à peu près ça en fait. Ça dépend des gens. Hein. Certains ça va être deux mois, certains ça va être un mois, certains ça va être 15 jours. Mais en fait, globalement, c'est le moment où vous sentez que, ah ma bah merde, je ne peux plus travailler de la mer que d'habitude, parce que maintenant, eh bien je suis un peu pris de cours parce que je plus le temps de revoir les collèges de manière aussi profonde que d'habitude. C'est un peu ça que je voulais dire. Evidemment, c'est très subjectif, hein, cette idée de derrière la de droite. Alors, à quel point prendre des vacances Là, je pense que, euh, voilà, je vous dis, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler régulièrement. Là, vous dites, bah merde, alors, moi, j'ai quand même envie de profiter un peu bah, des quatre, hein, même s'il faut travailler et tout. Euh, je n'ai pas, pas dit non plus qu'il ne faut pas prendre de vacances. Les vacances, c'est un sujet assez compliqué. Hein, et En fait, ça dépend énormément de chacun. Euh, je connais des gens qui ont extrêmement bien réussi, qui ont pris euh, quatre semaines de vacances pendant l'été. Et à l'inverse, que les gens qui ont aussi très très bien réussi, comme Kevin par exemple, et qui ont pris seulement une semaine, voire pas du tout pendant l'été. Donc ça dépend vraiment de chacun. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de recette miracle, encore une fois. Hein. Euh, c'est vraiment comme vous voulez. L'idée vraiment derrière ça, c'est vraiment à vous de sentir si vous voulez prendre des vacances ou pas. C'est à vous de sentir si sur le long terme, ça vous sera efficace ou pas de prendre des vacances. Si vous sentez que vous n'arrivez plus à travailler, que vous en avez marre, et que bah, si vous continuez une semaine à travailler, plutôt que de partir en vacances, eh bien, vous allez avancer quasiment pas, ben, dans ce cas-là, prenez une semaine de vacances. Si vous sentez en effet que vous ne travaillez pas et que le fait de prendre une semaine de vacances vous permettra vraiment de beaucoup mieux travailler après, euh, si bien qu'après vous rattraperez largement le temps perdu, entre guillemets, eh bien, prenez des vacances. Par contre, à l'inverse, si vous avez l'impression que euh, vous, vous travaillez déjà très bien, que si vous partez en vacances, vous allez peut-être culpabiliser parce que vous allez euh, vous dire, bah ben, je ne suis pas en train de travailler alors que je pourrais quand même avancer, ben, dans ce cas-là, prenez pas de vacances. D'accord C'est aussi simple que ça. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, c'est très subjectif, euh, j'ai pris une semaine de vacances pour les grandes vacances après, avant la D4, parce que comme ça, je m'étais bien reposé, je me suis dit, OK, c'est la bonne semaine pour se reposer. Euh, et puis, comme ça, après, quand je suis rentré de ma semaine de vacances, je me disais, OK, maintenant, c'est vraiment la rentrée de ma D4. C'est maintenant le début. Et euh, ça a permis d'acter le début, on va dire. Et après, pendant le reste de l'année, ben, je n'ai pas senti besoin de prendre plus de vacances parce que je travaillais déjà bien régulièrement. J'étais assez content de quand je travaillais. Je sentais que j'avançais bien. Et je savais que si je prenais une semaine de vacances supplémentaires ou même quelques jours, eh bien, euh, bah, je n'aurais pas particulièrement profité, ça ne m'aurait pas servi en fait. Euh, pareil à Noël, euh, faites comme vous voulez, à Noël, hein, vraiment, encore une fois, faites comme vous voulez. Moi, mon, moi ce que j'avais fait, c'est que bah, tout simplement à Noël, j'avais pris 3-4 jours parce que je ne voyais, je voyais pas l'intérêt de prendre plus. Je savais que si j'avais pris plus, bah, ça ne m'aurait pas servi à grand-chose. Mais encore une fois, si vous souhaitez prendre une semaine, il n'y a aucun souci. que vous sentez que ça vous est utile. Si vous sentez que ça vous est utile, vraiment, prenez, il hein, ne faut vraiment pas hésiter. Donc moi je pense que quand même, je pense que prendre, ne pas prendre une semaine, je pense que ce serait bête quand même. Je conseille quand même de prendre au moins une semaine, d'accord Rien que pour au moins marquer le début de votre D4. Ensuite, il euh, y a des gens, des fois, qui vont vous proposer, eh hey, tiens, Nicolas, est-ce que ça te dirait de venir faire une semaine de vacances dans le sud, là, hier Tu vois, ça va être cool, on va faire matin travail et puis l'après-midi piscine. Euh, voilà, ça va nous changer un petit peu. Eh bien, euh, j'ai vu, c'est Théo qui, qui nous avait parlé de ces vacances semi-repos, semi-travail. Et lui, comme moi, on trouve tous les deux que c'est une très mauvaise idée. Euh, encore une fois, c'est très objectif, mais euh, la plupart déconseillent. Pourquoi Parce que lorsque vous êtes en semi-vacances comme ça, vous ne pouvez pas vraiment profiter de vacances. Lorsque vous êtes en vacances, je vous conseille de vraiment profiter de vacances. Comme quand vous n'êtes pas en train de travailler la journée, bah, profiter de ce temps où vous n'êtes pas en train de travailler. Comme ça, après, quand vous revenez au travail, là, vous êtes au taquet. Là, vous êtes à 100% au travail. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment utile pour les vacances. Profitez bien de vos vacances, comme ça, après, vous pourrez vraiment être au taquet à 100% par la suite. Est-ce qu'il faut faire un planning ou pas Alors, il euh, y a des gens, euh, ils vous disent, « Ah oui, voilà, moi, j'ai prévu de faire euh, la cardio de tel jour à tel jour, puis la paix de, de tel jour à tel jour, et tout. » Et puis, à l'inverse, il bah, y en a qui n'en font pas du tout. Euh, Est-ce que vraiment, il y a une manière de faire qui fonctionne mieux Eh bien, moi, en fait, en ayant interrogé pas mal d'étudiants, même des étudiants très bien classés, bah, c'est très variable. Donc, en fait, j'ai envie de dire, pas de recette miracle pour ça. Que vous fassiez un planning ou pas, je ne pense pas qu'il y ait une manière de faire mieux que l'autre. Et puis, en plus, faire un planning ou pas, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a planning et planning. Il y a plein de différents types de planning. Il y a par exemple celui qui va être ultra carré, qui va sortir Ouais, moi, je vais faire la cardio du 2 au 9 avril, puis après la gastro du 10 au 16 avril, puis après la paix de bon, un peu plus de temps quand même, elle est du 17 au 30 avril. Et puis, bah, s'il dépasse d'un jour, bah, il est dans la merde. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et par contre, après, il y en a qui sont un peu moins précis. Voilà, qui vont dire Bon, je vais faire la cardio pour à peu près une semaine, puis la gastro pour à peu près une semaine, puis la pète pour à peu près deux semaines. Et puis, il y en a, bah, ils, vont être, bon, hein, ils vont juste donner l'ordre de leur matière. Ils vont dire bah, Je vais faire la cardio, puis la gastro, puis la pète, etc. En fait, il y a plein de différents types de planning. D'accord Donc, faire un planning ou pas, ça ne va pas dire grand chose. Sachez, faites comme vous voulez parmi ça. Ça, ça dépend des personnalités. En fait, il y a même, ça a été même prouvé. Il y a des personnalités qui aiment bien tout prévoir. Et puis, il y a des personnalités qui aiment bien faire à l'arrache comme ils le sentent. C'est comme les gens qui partent en vacances. Il y a des gens qui aiment bien tout prévoir à l'avance. Et puis, il y a des gens qui aiment bien faire sur le coup. Ça dépend vraiment de comment vous êtes et comment vous fonctionnez. Si Par contre, par contre ce que je dois vous mettre en garde, c'est si vous prévoyez un planning très précis. Si, par exemple, vous, faites ce, vous prévoyez un temps très précis pour chaque matière, il faut s'attendre à changer souvent son planning. Parce qu'en fait... Euh, imaginez si là bah, vous prévoyez de faire la cardio du 2-9 avril et qu'en fait vous, au 5 avril vous avez déjà remarqué que bah, vous avez terminé votre cardio, bah, euh, bah, vous êtes un peu euh, embêté quoi. Soit vous refaites une deuxième fois la cardio donc c'est peut-être pas très optimal, soit vous devez changer tout le reste de votre planning par la suite et inversement si vous prenez trop de temps pour la cardio. Vous voyez donc c'est possible hein, mais faut s'attendre à devoir changer souvent son planning. Hein. Moi, moi, ce que je faisais, encore une fois, c'est très subjectif. Moi, je faisais l'ordre des matières en ayant à peu près une idée euh, du temps que ça a à prendre, mais pas non plus à un temps très précis. Quoi, hein. euh, moi, j'avais la chance en fait d'avoir une conf où je faisais deux matières différentes chaque semaine, le samedi après-midi. Et du coup, j'essayais de, de réviser ces deux matières comme ça chaque semaine. Mais évidemment, ça, ça dépend de la vitesse à laquelle vous faites des tours, etc. etc. Encore une fois, c'est très subjectif. Combien de tours faut-il faire J'en parlais. Alors, euh, voilà, encore une fois, il y a plein d'avis différents. Hein. Euh, je suis sûr que vous avez déjà connu cette situation du pote qui vous sort euh, Ouais, écoute, Nicolas, voilà moi j'en suis en 23ème tour de cardio. Euh, et moi, je fais Ok, euh, bon, euh, moi je suis à mon 3ème tour, euh, je suis un peu embêté parce que j'ai l'impression de me sortir nul à côté. Euh, vous voyez, je pense qu'on a tous senti un peu ce truc-là des fois. Euh, et puis à l'inverse, il y a aussi les gens, ils vont dire Ah, moi je fais un seul tour pendant l'année, ça convient très bien. Hein, euh, mais comment ils font Enfin. Mais encore une fois, euh, parmi les bons étudiants que j'ai pu interroger, euh, et même les différences externes que j'ai pu voir, il euh, y a plein de manières de faire différentes. Pas de recette miracle. Encore une fois là-dessus, alors vous dites, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas de recette miracle. Mais en effet, hein. l'idée, c'est que le concept de tour n'est pas défini précisément. En fait, qu'est-ce que ça veut dire un tour Il y a des gens pour qui un tour, c'est lire dans le détail toutes les matières, du genre faire la gériatrie, la MPR, la santé publique, l'investissement du travail, etc. Dans le détail, tout tout refaire. Forcément, eux, ils vont pas faire beaucoup de tours, forcément. Par contre, il y en a mais ils vont lire toutes les matières sauf les petites. Par exemple, ils vont lire tout sauf la MPR, la géométrie et tout, forcément ça ira beaucoup plus vite. Et à inverse, il y a, mais ils vont lire seulement ce qui les intéresse. Donc pour cela, eh ben, ils vont juste piocher deux trois trucs par-ci par-là dans leur collège de cardio. Puis, puis quand ils ouvriront le bouquin à Pneumo, ben, ils vont faire seulement les items qui sont très très spécifiques à Pneumo sans faire le reste. Euh, donc en fait, ça ne veut rien dire, un tour. Hein, forcément les gens qui, qui disent seulement ce qui les intéresse ils peuvent tout à fait faire 20 tours dans une année et d'ailleurs pour donner mon, mon, mon cas encore une fois hein, encore une fois c'est très subjectif hein, tout ce que je dirais à propos de mon cas c'est très subjectif forcément moi ce que je faisais c'est que je piochais vraiment ce qui m'intéressait je n'allais pas euh, lire trop dans le détail et tout apprendre dans le détail je lisais juste suis, je suis, je suis, ce que je comprenais et ce, ce que je trouvais utile. Et forcément, je faisais beaucoup de tours. Hein. Mais ça, encore une fois, ça dépend vraiment de chacun comment fonctionnait. Donc, en fait, vous ne pouvez pas comparer aux autres étudiants. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vous comparer. Moi, j'ai fait tant de tours ou quoi. Ça ne veut rien dire, un tour. OK Et donc, du, de ce fait-là, je ne peux pas vous conseiller un nombre de tours à faire. Mon conseil, par contre, globalement, c'est de. Pas euh, se forcer à tout apprendre dès le départ et à tout apprendre par cœur toutes les listes, d'accord Comme je vais vous l expliquer après, la compréhension, c'est très important. Et euh, plutôt que d'essayer d'apprendre par cœur un truc que vous n'avez pas compris, eh bien, passez, ce n'est pas grave. Tout ce que vous avez du mal à apprendre et ce que vous ne comprenez pas bien, passez-le. Et lors d'un prochain tour, lors d'une prochaine relecture, là, peut-être que vous comprendrez beaucoup mieux parce que vous aurez des bases qui sont présentes dans les autres collèges, d'accord Même en D4, je vous assure que vous comprendrez encore plein de nouvelles choses. Et donc, j'en viens forcément à la compréhension. Comme les confs le disent, euh, la compréhension, c'est la clé de CN. Et vraiment, moi, je suis un fervent défenseur de cette idée de compréhension. Je pense que ceux qui me connaissent le, le savent, tous hein, ceux qui sont Damien le, le savent. Euh, pourquoi Tout simplement parce qu'en fait, il est impossible de retirer l'entièreté du programmes par cœur. Il y a une trentaine de spécialités, il y a au moins 30, 35 bouquins. C'est énorme. Vous ne pouvez pas retenir autant de pages. Je crois qu'il y a genre plus de 10 000 pages de collège. Ça a même dû augmenter entre temps. C'est énorme. C'est impossible de retenir tout ça par cœur. D'autant plus qu'en plus, le par cœur, ce n'est pas facilement mobilisable pour raisonner en DP. En DP, ils ne vont pas vous poser des listes toutes faites qui sont présentes texto dans le collège. Non, aux OCN, ils vont vous poser des questions où il va falloir raisonner, mobiliser ses connaissances et raisonner à partir de ça pour trouver la réponse. D'accord C'est pas comme en passait, où c'est les listes toutes faites, hein. ça je pense que vous le savez, mais aux OCN, c'est très différent. Il y a besoin de raisonner et c'est pas en apprenant par cœur des listes que vous arriverez à répondre. Alors certes, il y a quelques listes qu'il faut retenir très spécifiquement, mais ça vous pourrez le voir genre la semaine avant les océans, hein, ça s'apprend très facilement par cœur les quelques listes à apprendre par cœur, mais par contre le reste eh bien c'est vraiment de comprendre même en d même en D4, le plus important reste la compréhension. En fait, là, en D4, en plus, ce qui est particulier, c'est que vous avez vu au moins une fois toutes les matières, normalement, à peu près. Si ce n'est, il y a certaines facs, comme par exemple la mienne, où il y a encore quelques matières qui ne sont pas encore vues, mais vous aurez déjà vu la plupart des matières, au moins les plus importantes. Et c'est seulement ce là que vous aurez une vision globale, enfin, des ECN, pour avoir une vision euh, synthétique des différents items, pour faire le lien entre les différentes spécialités. Donc, profitez de cette D4 vraiment pour comprendre ce qui se passe autour, d'accord L'idée, quand vous lisez le collège, c'est pas de, de lire texto les lignes et d'apprendre par cœur les choses. Faudra vraiment essayer de lire entre les lignes, c'est-à-dire essayer de vous dire, ok, pourquoi il y a ça Pourquoi il y a tels effets indésirables dans tel médicament Pourquoi est-ce qu'il y a telle contradiction dans tel médicament Pourquoi est-ce que euh, tel traitement marche dans telle pathologie Faudra vraiment essayer de vous demander pourquoi, pourquoi, et comme ça vous aurez une vision, vous pourrez comprendre vraiment pourquoi les choses. Vous n'avez pas besoin de les retenir spécifiquement. Et comme ça, vous pourrez avoir une vision globale des différentes pathologies. Pour chaque pathologie, vous pourrez vous dire « Ah oui, voilà, ça, ça donne ça, qui donne ça, qui fait ça. » Et comme ça, aux OCN, vous pourrez vraiment très facilement répondre aux questions euh, sans avoir besoin d'avoir énormément de choses à retenir. Parce que, souvenez-vous, c'est extrêmement difficile de retenir tout ça en même temps pour les trois jours aux OCN. Donc, le, le, la mémoire vraiment à très long terme qui fonctionne vraiment au mieux, c'est la compréhension. Un exemple, un exemple, hein, tout con, par exemple, la pneumopathie. Euh, plutôt que de voir, retenir tous les trucs spécifiquement et tout, euh, ben, essayer d'avoir une vision synthétique de cette pathologie. Par exemple, voilà, vous avez un germe, les différents germes qui existent, qui peuvent arriver dans le poumon, qui donnent une inflammation, du coup ça donne de l'eau, qui donne de la toux, avec expectoration parce qu'il y a des PNN, et puis du coup après on peut faire le diagnostic en examinant les crachats euh, au microscope, voir qui a tel germe, et puis du coup on va pouvoir traiter par tel antibiotique qui mieux est actif contre tel germe, et donc tout ça c'est logique en fait. Vous pouvez avoir une vision globale de chacune des pathologies, et c'est comme ça que vous arriverez à retenir en même temps toutes les connaissances qu'il faut avoir pour les océans. Et ensuite, une fois que vous avez compris comment ça marche, essayez de réviser régulièrement cette vision synthétique des choses. Hein euh, vous, je vais vous expliquer après des manières de retenir les choses, mais vraiment ce qu'il faut retenir, c'est votre vision synthétique des choses. Alors, essayez de retenir ce que vous avez compris et essayez de le réviser régulièrement. Alors, une fois que vous avez à peu près compris comment ça marche, les choses, vous avez une vision synthétique des différents items, après il faut essayer de, euh, de, euh, de retenir spécifiquement comment ça marche. Alors, pour ça, il y a plein d'astuces, je vais vous en présenter plusieurs, mais il y a notamment la répétition espacée. Ça, c'est un concept qui est assez connu, euh, mais je vais vous le présenter à nouveau parce que certains le connaissent peut-être pas. L'idée en fait c'est que lorsque vous voyez quelque chose vous oubliez assez rapidement. Vous voyez c'est la courbe de l'oubli au bout de 21 jours 30, là vous avez quasiment tout oublié. Et si jamais ici, là 21 jours, vous essayez de revoir le cours, eh bien vous aurez l'impression que c'est la première fois que vous le voyez ou presque parce que vous aurez quasiment tout oublié. L'idée de la répétition espacée c'est de vous dire ok, plutôt que d'attendre d'avoir tout oublié, ben, je vais le revoir peu après, genre je ne sais pas 3 jours à la louche. Comme ça ça va être très facile à revoir parce que vous le vous souvenez très bien. Et en plus, ben, ça va vraiment encore mieux s'ancrer dans votre esprit. Et du coup vous allez l'oublier beaucoup plus lentement etc., etc., révisez-le, et vous aurez même le droit d'espacer progressivement les révisions parce que l'oubli se fera de plus en plus lentement. Et donc, à un moment, vous vous, retenez, vous retiendrez la chose très longtemps, parce que l'oubli se fera très lentement, et jusqu'aux océans. Donc ça, c'est très efficace. Il y a deux manières de le faire. Il y a une façon manuelle. Moi, c'est ce que je faisais, par exemple. Chaque chose que je voyais, chaque item que je voyais, chaque pathologie que je voyais, j'essayais de me la refaire de tête le soir même, ou au moins un jour après. Et puis euh, une semaine après et aussi un mois après. voilà Comme ça, eh bien, ça me permettait de garder euh, cette vision synthétique que j'avais des choses, des choses que j'avais retenues sur l'item. Mais euh, après, il y a plein de manières euh, logicielles de le faire. Notamment, le plus connu, c'est Anki. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a un live complet de Cartesia qui a été fait sur, euh, sur Anki. Mais euh, juste pour vous dire vite fait, en deux secondes, c'est un logiciel dans lequel vous rentrez des questions et il vous pose donc cette question au retour si vous posez une question et que vous répondez bien, il vous pose moins souvent cette question par la suite. et si vous répondez mal, mais il vous posera plus souvent cette question par la suite. voilà euh, ouais, donc ça marche franchement bien. mais attention. la répétition espacée, c'est extrêmement puissant. certes, hein, c'est un excellent moyen de retenir des choses. tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez retenir, vous le retiendrez avec la répétition espacée. mais par contre, euh, il ne faut pas essayer de retenir des choses que vous n'avez pas comprises. parce que imaginez, là, tout de suite, en juin 2021, vous essayez de retenir plein de choses. Mais peut-être qu'en janvier 2022, eh bien, toutes ces choses que vous aurez pris du temps à essayer de retenir, que vous aurez travaillé dans la fiche Anki ou autre part, eh bien, peut-être qu'elles vous sembleront tellement logiques qu'il n'y a même plus besoin vraiment de les retenir. Parce que vous aurez retenu des bases, autre part, qui vous permettront de déduire par logique ces choses-là. Donc, en fait, ça ne sert à rien d'essayer de retenir les choses que vous n'avez pas déjà comprises. Donc, déjà, essayez de comprendre comment ça marche et ensuite, réviser ce que vous avez compris, plutôt que d'apprendre directement tout par cœur des choses. OK Autre moyen euh, de. De faire, euh, de faire de, faire de l'apprentissage, de retenir les choses, c'est vraiment d'utiliser un ordre d'apprentissage commun. Ça, c'est pas très connu en fait, euh, mais pourtant, euh, ça marche extrêmement bien. J'ai utilisé ça durant un D4, c'est même moi qui ai qui a essayé de construire ce truc-là de mon côté. Hein. Je connaissais personne dans mon entourage qui utilisait ça. Mais moi, ça m'a vraiment été utile et j'ai surtout utilisé ça en D4. L'idée, c'est d'apprendre les pathologies à peu près toujours de la même manière ou dans le même ordre, parce que vous remarquerez que tous les systèmes sont organisés d'une manière un peu différente. Des fois, il y a les causes à la fin, des fois il y a les causes au début, des fois les complications elles sont au milieu, des fois elles sont à la fin, des fois les traitements même ils sont au début, on n'y comprend rien, euh, voilà. Et donc moi j'ai essayé de faire un ordre à peu près commun et comme ça, ça me permettait de mobiliser beaucoup plus facilement mes connaissances océans et de retenir aussi beaucoup plus facilement les choses. Alors je vous donne par exemple moi ce que je faisais, mais vraiment vous pouvez tout à fait construire vous votre manière de faire. Bon Kevin en a une autre, hein, lui. Euh, mais on est assez d'accord sur cette idée-là. Moi, ce que je faisais, c'est que je rassemblais toutes, pour toute pathologie, j'essayais de rassembler les informations dans l'une de ces quatre cases-là. Tout d'abord, il y a les causes. Je mets en cause tout ce qui est facteur de risque, cause, tout ce qui peut entraîner la maladie. D'accord Donc, par exemple, pour l'athérosclérose, vous avez facteur de risque cardiovasculaire. Ou même par l'infarctus du myocarde, vous avez eh ben, l'athérosclérose en lui-même. Mais des fois, ça peut être une infarctus du myocarde par d'autres pathologies, par exemple des artériopathies, etc. Dans signe, je mets tout ce qui est signe clinique, paraclinique, euh, les examens, euh, les examens autres, mais aussi tout ce qui est complication tout ce que la maladie peut entraîner. D'accord Imaginez si le médecin n'est pas là, eh bien, il faut voir tout ce que la maladie peut entraîner jusqu'au bout. Hein. Par exemple, la maladie de Lyme, ça peut donner la phase primaire, puis la phase secondaire, puis la phase tertiaire. Vous voyez tout ce que ça peut entraîner. Et en général, c'est assez logique en fait par rapport à la physiopathologie. Si vous avez compris comment fonctionne la maladie, vous pouvez retenir assez facilement et différencier parce que c'est assez logique d'après le fonctionnement de la pathologie. Hein. Ensuite, tout ce qui est diagnostic positif, c'est-à-dire comment on pose le diagnostic de la maladie. Par exemple, pour l'infarctus du myocarde, eh bien l'infarctus du myocarde ST+, eh c'est tout simplement un sus-décalage du segment ST qui vous pose le diagnostic d'infarctus du myocarde, enfin, SCST+. Euh, bon, on différencie IDM de SCST+, mais voilà, pour résumer, un SCST+ vous pose aussi tout simplement avec un ST+. Ensuite, concernant le traitement, euh, c'est tout ce qui est pris en charge, tout ce qui est traitement médicamenteux, tout ce qui est euh, non médicamenteux aussi. Et là-dedans, euh, je retiens notamment pour chaque médicament, son mécanisme d'action et aussi ses effets indésirables. Euh, et en général, c'est assez logique tout ça. Même les contre-indications, on, euh, on peut les faire de façon logique par rapport au mécanisme d'action. Et donc, en fait, comme ça, je, vous remarquerez que 99% des informations eh bien, on peut les caser dans une de ces quatre cases-là. Et en fait, pour 99% des pathologies, on peut résumer les pathologies de cette manière-là. Et moi, en plus, ça me permettait euh, d'avoir une bonne manière de réviser. Parce que du coup, euh, bah, si j'ai envie de réviser mon infarctus du myocarde, eh j'ai tout simplement besoin de me dire OK, quelles sont les causes Quels sont les signes Quels sont les diagnostics Quels sont les traitements Et comme ça, eh bien, ça me permettait de me remémorer la pathologie. Ça me permettait vraiment. De travailler très facilement les cours sans même forcément avoir mon livre sous les yeux. Et en plus, comme ça, aux OCN, j'étais tellement habitué à me remémorer ces pathologies de tête que euh, je pouvais très facilement me refaire la pathologie de tête aux OCN pour ne pas oublier certains points importants, comme je vais vous en expliquer après. Alors, je suis gré de dépôt, je continue. Ensuite, ça, c'est une question, je pense, c'est presque la, celle que vous vous posez le plus. Hein. Vous arrivez en D4, la plupart d'entre vous, je pense, ont travaillé sur les collèges. Eh bien, euh, je pense aussi à la plupart d'entre vous, maintenant, se pose la question, travaille peut-être sur des fiches. Euh, tout le monde m'a déjà posé la question, et chaque année, j'en ai plein qui me Eh hey Nicolas, est-ce que tu penses que Codex CN c'est bien Parce que bon, euh, j'ai travaillé sur les collèges avant, ou bien, ah, est-ce que tu penses que ça vaut le coup d'acheter un abonnement Martingale Je ne sais pas trop, euh, ou bien, est-ce que tu penses que, que faire des fiches à soi, ça vaut le coup dès maintenant Voilà, on ne sait jamais trop. Eh bien, en fait, euh, en discutant avec pas mal d'étudiants, et même pas mal d'étudiants de la encore une fois, il y a vraiment tout type de manière de faire. Par exemple, moi j'ai fait sur les collèges, Kevin a fait sur les collèges, mais il y a par exemple le mec qui a écrit Codex OCN, euh, c'est un mec de Lyon qui a fait Neuro d'ailleurs, hein, euh, Cocorico, euh, lui par exemple, c'est lui qui a fait chez Fiches Codex, hein, les fiches Codex, c'est les fiches qu'il utilisait pendant son externat, et lui, il a extrêmement bien réussi, il arrive 20 et quelques aux OCN, donc vraiment, euh, il y a des gens qui réussissent très bien en faisant leurs fiches à eux, et puis il y a des gens aussi qui réussissent extrêmement bien en travaillant sur les fiches toutes faites, type Martagal au Codex OCN, ou Prep OCN ou autre. Donc encore une fois, il n'y a pas de recette miracle là-dessus, d'accord Essayez vraiment en fait les différents supports pour voir celui qui convient le mieux. Euh, c'est en fait cette phrase-là la plus importante. Le plus important, c'est de travailler sur un support qui vous convient, de travailler sur un support en lequel vous avez confiance, d'accord Et dès lors, vous travaillerez bien. Si vous vous forcez à apprendre sur des fiches parce qu'on vous, qu vous a dit oui, il faut travailler sur les fiches et tout, mais que vous n'avez pas les fiches, ben vous n'arriverez pas à, à, à apprendre des choses, mais à comprendre des choses. Donc le plus important, c'est de travailler sur un truc où vous vous sentez à l'aise, ok par contre, moi, mon avis est subjectif, euh, encore une fois, hein, c'est mon avis. Mais moi, je pense que euh, les collèges, ça vaut vraiment le coup. Et en fait, j'ai épluché hein, pourtant les, les fiches Codex et Martingale. Hein, J'avais même essayé d'apprendre dessus. Hein, et j'ai même beaucoup utilisé les fiches toutes faites à moi. Hein, ou plutôt, j'ai utilisé les fiches personnelles à moi que je faisais au papier, par exemple. Et au final, je trouvais que les collèges, c'était vraiment ce qui allait mieux. Parce qu'en euh, qu en fait, vous avez déjà... C'est la base, hein, c'est la référence. D'ailleurs, euh, je vais vous en parler juste après. C'est vraiment la référence en général. Mais euh, en plus, souvent les gens vous disent Oui, les fiches d'intérêt, c'est que c'est résumé et du coup on va beaucoup plus vite à lire les pathologies parce qu'il y a peu de pages. Mais ça, c'est un faux argument. Parce qu'une fois que vous connaissez les collèges, et je pense qu'une bonne partie d'entre vous qui ont bien travaillé connaissent déjà plutôt bien leurs collèges, eh vous savez très bien où trouver les informations. Il n'y a pas de perte de temps. Vous savez très bien que les causes de l'épanchement cardiaque, euh, ben, ils sont là. Vous savez très bien que les causes de l'épanchement pleural, elles sont déjà dans l'item. Vous savez très bien où trouver le, les différents signes cliniques de méningite ou de syndrome méningé dans le collège de neuro. D'accord Donc il n'y a pas de perte de temps en fait. Et puis les, les paragraphes de blabla dans le collège, bah, moi je ne les lis plus. Je sais très bien qu'ils sont là, les paragraphes de blabla. Donc certains disent Oui, il y a du blabla dans le collège, mais en fait, une fois que vous savez où ils sont, ces pas grave, vous n'avez même plus besoin de les lire, vous ne les lisez même plus. Donc vous ne perdez pas de temps en fait, en lisant les collèges. Et en plus, faites attention parce que les fiches toutes faites, hein, euh, vraiment j'ai comparé, hein, j'ai vraiment comparé, que ce soit avec Codex, que avec Martin il y a des trucs en trop, il y a des trucs aussi en pas assez par rapport au collège. Le collège, ça reste la référence que je vous disais, ça c'est le communiqué du Conseil scientifique de médecine. Je pense que la plupart d'entre vous savent, mais euh, peut-être que entre, certains d'entre vous ne savent pas, donc je vous le remonte quand même. C'est un truc très important qui dit que la référence pour les océans. donc je vous dis, hein, le Conseil scientifique, c'est les gens qui écrivent les QCM des ECN, donc c'est un peu vos dieux à vous, on va dire. Euh, le plus important ça va être le respect de l'AMM du médicament, mais en général il n'y a pas grand-chose d'intéressant dedans. Les recommandations de l'HAS et de l'ANSM, mais en fait vous remarquerez que ça fait quand même pas mal d'années qu'il n'y a pas beaucoup de recommandations de l'HAS et de l'ANSM qui sont vraiment dans le programme des OCN, hein, parce que le programme des ECN ce n'est pas toute la médecine. Et euh, ils disent après, bah, en cas d'absence de recommandations de l'HAS et de l'ANSM, c'est les collèges de spécialité et notamment les sociétés savantes françaises qui seront appliquées. Et en, en pratique, les sociétés savantes françaises, c'est les collèges de spécialité, ça va ensemble. C'est-à-dire que c'est les sociétés savantes qui font les collèges le plus souvent. Donc en réalité, vous voyez bien que les collèges, c'est très important. Et d'ailleurs, il y a eu un live euh, récent en juin euh, ou fin mai, je ne sais plus, 2021 de l'ANEMF. L'ANEMF, c'est l'Association nationale des étudiants de médecine de France, où ils ont euh, invité tout simplement le président du conseil scientifique, professeur Marc Brown, mais aussi le vice-président. Euh, qui est lui-même réanimateur, et qui eux vraiment gèrent comment se font les QCM des ECN, et ils ont dit texto que les collèges ils s'en servent beaucoup. En fait, dans la salle où ils discutent des QCM, si, si, jamais, ils ont des, si jamais ils ont des ambiguïtés sur les différentes questions qu'ils vont poser aux ccn et eh bien ils vont voir dans les collèges, et dans leur salle il y a vraiment toute une étagère, énorme, toute une grande étagère comme ça, où il y a tous les collèges qui sont présents, un par un, et puis, si jamais ils ont un doute, mais ils vont ouvrir le collège et ils vont rechercher l'information. Donc, ça, ils l'ont vraiment dit dans ce live. Hein. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller voir ce live. Euh, ils disent pas mal de choses intéressantes. Comme quoi, les collèges, c'est utile, je pense, vraiment. Et en plus, les collèges, il y a beaucoup de tableaux, de schémas que vous n'aurez pas dans les fiches. Ils les enlèvent le plus souvent. Or, ces tableaux et schémas sont le plus souvent très bien faits. Et les images sont souvent très typiques, hein, vraiment extrêmement typiques, qui vous permettent de bien retenir, je pense. Après, évidemment, si vous n'avez pas travaillé sur les collèges, le plus important reste de travailler sur un support qui vous convient le mieux. Mais si vous doutez, je pense que les collèges, ça vaut le coup. Alors maintenant, euh, je vais parler du cours, du cours, du cours, du cours, du cours et du cours. La question de l'entraînement. Et oui, parce qu'il y a des gens qui vous disent, notamment Théo Pézel, euh, lui dit souvent lors de ses confs, je ne sais pas s'il fait un grand des confs maintenant, euh, il dit souvent, et eh bien euh, écoutez, voilà, le plus important, c'est de travailler le cours. Tant que vous connaissez votre cours, bah, vous saurez répondre au XMDCN, parce qu'au final, eh bien, le XMDECN, c'est du cours. Et à l'inverse, il si y en a et vous disent Ah non, mais moi, euh, je fais plein de plan DP, je fais 18 d'p par jour, euh, c'est ça qui a marché, voilà, voilà. Par exemple, Éméric Rouchot lui il disait que pendant les deux derniers mois, deux ou trois derniers mois avant les OCN, il faisait que, du, que des QCM tout le temps, tout le temps, sans, juste vraiment, sans vraiment revoir son cours. Juste aller voir en, en, en référence s'il y a besoin. Donc il y a vraiment plein de manières de faire. Donc encore une fois, euh, ça dépend vraiment de chacun. Mais par contre, moi, ce que je me dois de vous dire, il y a un truc qui existe vraiment, c'est l'importance de te tester. Ça s'appelle le testing effect ». En fait, moi, j'ai fait un master 1 en sciences d'éducation, et, euh, et en fait, il y a un, ce concept de testing effect a été extrêmement bien documenté dans la littérature. Je vous ai mis deux exemples ici. L'idée de ce testing effect, c'est euh, lorsque vous essayez de vous tester, lorsque vous essayez de, re, de vous remémorer quelque chose. Parce qu'on vous pose une question, eh bien, euh, vous allez beaucoup mieux retenir cette chose-là par la suite. Par exemple, là, il y a une étude, la première, qui avait euh, randomisé deux groupes, et le groupe A, lui, eh bien, il, il faisait que de la relecture à la suite, d'accord Et le groupe B, lui, mais il faisait de la relecture, mais alternait avec euh, de la remémoration ou du testing, d'accord Eh bien, euh, juste après l'étude, c'est-à-dire vraiment euh, à la phase aiguë, eh bien, les deux avaient les mêmes résultats lors euh, d'un test euh, final. Par contre, euh, beaucoup plus tard, genre un mois ou deux mois après, ceux qui s'étaient testés entre les phases de relecture avaient beaucoup beaucoup mieux réussi que les gens qui avaient euh, enchaîné de la relecture, du coup forcément qui avaient relu deux fois plus, mais qui s'étaient pas testés. Donc en fait, sur le long terme, c'est beaucoup plus efficace d'alterner entre testing et travail plutôt que de faire que de la relecture à plein temps. Certes, on se dit oui, on revoit deux fois plus souvent ses cours, c'est peut-être beaucoup mieux, mais en fait non, parce que euh, c'est beaucoup plus efficace de relire peut-être deux fois moins ses cours, mais de tester un petit peu plus, ok? Là, il y a un deuxième article, là, c'est plus spécifique aux étudiants en médecine, ils, ont même, ils sont même amusés à regarder sur les étudiants en médecine si ça, ça marchait, et bien en effet, ils ont montré une différence significative. L'idée, en fait, c'est que l'effort pour effectuer, pour retrouver l'information, permet de mieux ancrer cette information sur le long terme. Par exemple, on vous pose les questions de quels sont les, euh, les critères diagnostiques de migraine, et bien vous vous dites, ah merde, j'ai oublié, ah mais qu'est-ce que c'est, j'essaye de chercher, ah, et du coup, vous cherchez dans votre tête, vous cherchez dans votre tête. Et après, bah, que vous ayez faux ou vrai dans lorsque vous verrez la réponse un ou deux jours après, eh bien là, ça s'ancrera beaucoup, beaucoup mieux dans votre mémoire. Parce que votre esprit, il aura essayé de chercher l'information. Ça, c'est extrêmement efficace. C'est pour ça que je vous conseille de faire un minimum de DP par jour. Ça me semble très important, surtout en D4. Les DP, ça a énormément bien fait. Les DP, comme je vous dis, déjà, ça vous permet de vous tester, mais ça permet aussi de mieux comprendre les pathologies. Ça permet de mettre en cinétique, si vous voulez, les pathologies. Ça vous permet de voir comment ça se passe dans la réalité. Parce que bon, les DP, c'est quand même assez proche de la réalité, en général, là, on essaye. Hein. Et euh, ça vous permet vraiment de mieux comprendre comment fonctionne la pathologie. Le cours, c'est juste un point de vue par rapport à la pathologie. Le moyen d'avoir différents points de vue, c'est de faire des DP, d'accord Ce qui est efficace aussi, c'est pas seulement de faire des DP, mais aussi de vous remémorer les informations. Comme je vous disais avant, moi, ouais, c'est ce que je faisais énormément. Euh, et je trouve que ça marche très bien, c'est le fait de vous dire « Ok, qu'est-ce que j'ai retenu de mon cours ?» Ou bien « Ah, il y a une semaine, j'ai vu les critères de migraine. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces critères de migraine ?» Et comme ça, ça vous permet de réviser la chose sans même avoir besoin d'ouvrir votre bouquin. Vous, vous voyez euh, ce que vous avez retenu et ce que vous n'avez pas retenu. Et toutes les choses que vous n'avez pas retenues, eh bien, vous pouvez les voir vite fait. Et comme ça, vous aurez révisé votre cours extrêmement rapidement. Moi, par exemple, quand je voulais réviser un collège très rapidement, eh bien, je me disais OK, qu'est-ce que je sais sur les différents items de ce collège Et rien qu'en l'espace de 2-3 heures, eh bien, je peux arriver à me faire de tête pas mal d'items, pas mal de choses que j'ai retenues. Et comme ça, bah, ça me fait réviser beaucoup de choses, le fait de me les simplement remémorer. Et euh, les... comme ça aussi, je voyais aussi les trucs que je n'avais pas bien retenus. Et je me disais Ah mince, ça c'est très important, mais j'ai déjà oublié. Et donc, bah, dans ce cas, je vais peut-être aller voir. Et comme ça, ça s'ancrera beaucoup mieux dans la mémoire. Ça, ça fonctionne très bien. Je vous conseille d'essayer. Ensuite, bah, euh, concernant la proportion court-entraînement, c'est-à-dire combien faire de DP par jour, ça, j'ai envie de dire, faites comme vous voulez. Ça, ça dépend vraiment de chacun. Il y a des gens qui ont très bien réussi, comme je vous dis, qui ont fait plein de DP, d'autres qui en font très peu. Ça, vraiment, faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai fait l'erreur de faire très peu de DP pendant ma D2, D2, pendant ma D2 et D3. C'était véritablement une erreur parce que j'avais des mauvais classements. J'étais pas très bon, en fait, avant. Hein. Et j'ai fait beaucoup plus de DP en D4 et ça m'a été extrêmement utile. Ça m'a vraiment mieux, beaucoup mieux comprendre les choses. En plus, ces DP, ça motive. Ça motive à travailler après le fait de, de répondre à des questions comme ça, le fait de sentir qu'enfin on utilise nos connaissances. Donc vraiment faites-en, je vous conseille de faire un minimum, un minimum de 4 dp par jour en D4, euh, si vous êtes en période hors stage. Hein, euh, après évidemment, si vous avez que votre après-midi, genre ça fait 2-3 dp par jour. Et puis augmentez au fur et à mesure de l'année. Au fur et à mesure de votre année D4, je vous conseille de faire de plus en plus de DP. Et si bien que moi, par exemple, pour vous, vous donner une idée, vers la fin de D4, lorsque j'avais plus de cours, Lorsque j'avais plus de stage non plus, lorsque j'ai toute ma journée à moi, eh bien je faisais en moyenne 8-9 DP par jour. Et en réalité, ça va vite. Hein. Si vous prenez 20 minutes par DP, voilà, ou près 15 minutes à le faire et 5 minutes pour faire la correction, c'est pas très long en général. Et hein. eh bien, vous pouvez tout à fait faire euh, votre 8-9 DP en 2-3 heures dans la journée et vous avez tout le résultat pour travailler vos cours. Donc moi, je vous conseille de faire un minimum vraiment de DP par jour. Euh, pas besoin de faire euh, 3000, pas besoin de faire 20 par jour, mais je pense que faites-en au minimum 4 et un, un peu plus au fur et à mesure de l'année. Euh, je pense que c'est bien. Faites-en, vraiment faites-en. N'en faites pas non plus trop, mais après, entre les deux, la proportion, c'est à vous de voir. Okay Alors voilà, je vous dis, il faut faire les DP, mais où est-ce qu'il faut aller chercher les DP Alors je suis sûr que voilà, certains d'entre vous se posent la question de prendre une conf, certains d'entre vous se demandent quand est-ce qu'il vaut mieux faire les annales. Euh, c'est toutes des questions que vous avez, vous avez le mérite de vous poser, hein, c'est tout à fait légitime. En fait, moi j'ai envie de vous dire, le plus important, c'est pas forcément euh, l la qualité des QCM. En fait, ça, je, quand j'étais externe, ça, je ne me rendais pas compte. Hein. Vraiment, quand j'étais à votre place, pour moi, c'était très important d'avoir des QCM de qualité, sinon j'ai l'impression que ça servait à rien, etc., etc. Mais en fait, avec le temps et avec la maturité, euh, bah, je, me, je me rendais compte que, euh, quelle que soit la qualité des QCM, l'effet testing il sera efficace. Vous voyez, ce truc-là, là. là ça, tant que vous essayez de vous tester, tant que vous essayez de vous remémorer les choses dans votre tête, tant qu'on vous pose des questions par le biais de QCM, et que vous essayez de vous remémorer les choses, eh bien vous apprendrez des choses, d'accord Dans tous les cas, ça sera efficace. Donc vraiment, c'est pas grave si le QCM est de mauvaise qualité. Dans tous les cas, vous essayez de répondre à des questions, et c'est ça le plus important. Après, évidemment, c'est mieux d'avoir un QCM de qualité. Mais si jamais vous tombez sur un truc merdique, bah, c'est pas trop grave, quoi. Faut pas vous vouer vous la face pour ça, faut pas finir de mauvaise humeur juste pour ça. Alors, il y a plein de supports de QCM qui existent, chacun a ses avantages et inconvénients. Je vais parler vite fait des différents supports, je ne vais pas m'éterniser dessus, parce que, comme je vous dis, le plus important, c'est de s'entraîner. Le, le premier plus important, c'est celui dont je vais parler le plus, ça va être les annales. Les annales, plus, 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 parce que vraiment, je vous assure, c'est le plus important. Les annales, je vous conseille de les faire le plus tôt possible. Alors, euh, certains euh, sont pas forcément d'accord avec moi. Chez Kim par exemple, il est mieux de les faire vers la fin de D4. Mais moi, je pense vraiment que ça vous sera utile de les faire le plus tôt possible parce que ça vous permet vraiment de comprendre ce qu'on attend de vous. En fait, moi, une fois que j'avais vu les annales, une fois que j'avais fait un peu d'annales déjà pour la première fois, après, je lisais plus mes livres de la même manière. Je n'apprenais plus mes cours de la même manière parce que euh, je comprenais enfin vraiment ce qu'on attendait de moi. Je voyais vraiment le type de QCM qui pouvait potentiellement me poser. Et donc, ça permettait d'avoir une vision différente des océans. Rien que pour ça, je vous conseille de le faire le plus tôt possible. Après, les annales, ça vous permet aussi de savoir globalement ce qui tombe et savoir quelques généralités concernant les vraies océans. Parce que les vraies océans, ce n'est pas exactement la même chose que les conférences. Notamment, aux vraies océans, il n'y a jamais de posologie, à part si c'est spécifiquement mentionné dans le programme. Vous marquerez que dans le programme, dans certains rares items, il y a marqué posologie entre parenthèses. Et là, dans ce cas-là, oui, il faut savoir la posologie. Mais sinon, la quasi-totalité des items, il n'y a pas besoin de retenir les posologies. Hein. Et en général, vous ne prenez même pas la tête avec les posologies. C'est rarissime que ça tombe aux OCN. Et, euh, et en général, quand vous entraînerez, vous, vous apprendrez automatiquement les différentes posologies qui peuvent potentiellement tomber. Ensuite, c'est vraiment des QCM de qualité, en fait. Euh, les, les QCM des ECN, ça vous permet vraiment de vous entraîner sur des trucs qui sont franchement bien, quoi. Hein. Aussi, en savoir ce qui tombe, ça vous permet de remarquer qu'il y a un peu toutes les matières qui tombent. En fait, toutes les grosses matières, en général, il y a au moins un DP par année euh, aux ECN. Par exemple, la neuro, souvent il y a un DP, la cardio, souvent il y a un DP, la pneu, souvent il y a un DP. Bon, il y a des exceptions, genre en 2018, il n'y a pas eu de cardio, mais bon, c'est relativement des exceptions. En général, ils essayent de stratifier cela. Et chaque année, il y a euh, à peu près souvent, euh, maintenant, récemment, toujours au moins une petite matière. Type, euh, il y a déjà eu de la gériatrie, il y a déjà eu de la, de la santé publique, il y a déjà eu de la médecine du travail. Donc ces petites matières peuvent tomber, certes, c'est pas euh, la quasi-totalité des points, hein, mais elles peuvent tomber, donc il ne faut pas les négliger. Attention, je ne dis pas qu'il faut plus les apprendre que les matières classiques, mais euh, il ne faut pas non plus les négliger. Quoi. Il faut connaître un minimum de choses dessus, il faut savoir répondre aux QCM principaux dessus. Ensuite, il y a plein de différents, euh, de différents types de QCM. CIDES, euh, tout d'abord. Alors CIDES... Euh, CIDES, l'idée c'est que c'est très hétérogène. En fait, CIDES, vous avez euh, vraiment une qualité extrêmement variable. Il faut savoir que CIDES, ce pas les gens qui font les QCM des ECN qui écrivent sur CIDES. Hein. CIDES, ce n'est pas le conseil scientifique qui fait les QCM de CIDES. Non, CIDES, c'est les universitaires, que ce soit CCA, que ce soit un professeur universitaire, ils sont plus ou moins pédagogues, et il y, a, il y a des pays sur CIDES qui sont extrêmement bien faits, il y en a qui sont vraiment nullissimes, et en, et en plus, il y a souvent des erreurs, hein. donc il faut faire très attention à ça. Sides, euh, moi j'ai fait au moins quand même les, les différents DP de 5 étoiles, parce qu'en général 5 étoiles ils sont franchement bien faits et puis ça vous permet d'avoir une vision globale de la pathologie euh, pour avoir des idées claires. Souvent ils sont assez faciles mais euh, bon, c'est pas embêtant hein, fait que ce soit facile en général. Les confs en ligne, là vous en avez plein de, de différents. Vous avez oceani.fr, vous avez confrafael, vous avez... Enfin euh, vous avez plein de différents types. C'est un peu pareil que SIDES, au final c'est une banque de QCM en ligne, sauf que c'est un peu payant. En général, je trouve que c'est qualité un petit peu mieux que SIDES, mais encore une fois, c'est très variable. Donc vous trouvez aussi dans les confrères des QCM qui sont beaucoup moins bien que SIDES et en l'inverse, vous trouvez certains trucs qui sont mieux que SIDES. C'est très variable, donc faites surtout les trucs qui sont bien notés et encore une fois, faire des trucs dans lesquels vous vous sentez à l'aise, parce que quelle que soit la qualité du QCM, ça ira. Ensuite, je parlerai un petit peu des QCM des collèges. On a tendance à les oublier, vous savez, à la fin des collèges SEV maçon c'est les collèges rouges. Vous avez le plus souvent des QCM hein, sur lesquels vous pouvez vous entraîner, qui sont euh, faits soit par l'équipe qui a écrit le livre, soit par une autre équipe euh, annexe. Ils sont de qualité très variable, en fait, selon les collèges. Dans un même collège, euh, soit c'est plutôt bien, soit c'est pas bien du tout. Moi, je les ai à peu près tous faits, euh, et je peux vous dire, globalement, ceux qui valent le plus le coup de faire. Le, le plus utile, selon moi, c'est la pneumo. Là, sur le Collège des Enseignants de Pneumologie, sur le site internet, alors ce n'est pas sur leur collège papier, hein, c'est vraiment sur, le, sur leur site internet, vous avez une liste de DP euh, de pneumologie qui est écrite vraiment par le CEP. Et pour le coup, ces DP ressemblent beaucoup, beaucoup à ce qui peut se faire aux OCN. Donc vraiment, profitez-en. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a la réponse juste en dessous à chaque fois, mais bon, en général, on arrive à se débrouiller pour ne pas la regarder tout de suite. Donc faites ces QCM-là. Il y a beaucoup de ces QCM-là qui sont déjà ressortis quasiment texto aux différents concours blancs officiels ou même aux OCN classiques. Euh, juste pour petite info, ils ont enlevé récemment de leur site internet parce que l'hébergeur a changé, mais je pense qu'ils vont les qu remettre. Ça m'étonnerait qu'ils ne les remettent pas. Ensuite, le collège de neuro, euh, je prêche pour un paroisse, mais en l'occurrence, les QCM à la fin sont franchement bien faits. Les QI sont un peu durs, mais euh, les DP sont franchement pas mal. Euh, ils sont très type c en fait. Ce inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de correction détaillée, mais même s'il n'y a pas de correction détaillée, ce n'est pas grave. Tant que vous vous entraînez, c'est plus important. Alors, en général, dans 90% des cas, vous comprenez pourquoi vous avez eu faux ou vrai. Euh, ensuite, concernant l'URO, il y a beaucoup de DP qui sont corrigés de façon détaillée, donc ça c'est bien. L'ophtalmo, les DP pareil, sont corrigés de façon détaillée, ils sont franchement pas mal aussi. En ORL aussi, en ENDOC aussi, ils sont franchement pas mal, ils sont corrigés de façon détaillée. Et en médecine interne, c'est pas à la fin du MEDLINE, mais c'est dans un livre annexe, un livre rouge MEDLINE, euh, qui je pense qu'il date un peu, mais c'est possible qu'il soit ressorti une édition précédemment. C'est euh, un livre de QCM qui est édité par le, par le, par le Collège des enseignants de médecine interne. Plutôt qu'écrit écrit par le collège d'enseignants de médecine interne. C'est des DP qui sont très difficiles, qui sont à mon sens franchement pas faciles, mais pour ceux qui visent un bon classement, je pense que ça vaut le coup de les faire parce qu'ils sont de très bonne qualité. Et je pense que Kevin ne me contredira pas là-dessus. Euh, ensuite, vous avez un dernier type, c'est les conférences présentielles. Là, je suis sûr que vous voulez que je parle un petit peu des différentes confs présentielles. Je ne vais pas m'éterniser dessus parce que, euh, en réalité, voilà, je n'ai pas de conflit d'intérêt, j'ai pas de, vraiment euh, d'argent dans les différentes confs. Ce que je dirais par contre dans les confs présentiels, hein, c'est qu'au final, les confs présentiels, qu'est-ce qu'ils vous donnent Ils vous donnent des QCM de, relativement, euh, de qualité assez variable. Euh, mais du coup, les QCM, vous savez que vous pouvez en avoir dans plein d'autres endroits. Hein. Les QCM de qualité, vous pouvez tout à fait en avoir partout d'autres. Donc ce n'est pas seulement dans les confs présentiels que vous avez des, des QCM de qualité. En soi, les QCM des confs présentiels ne sont pas forcément mieux que les QCM des autres parts. En réalité, la seule véritable valeur ajoutée des confs présentiels, c'est le fait que vous soyez en groupe. Le fait que vous soyez entouré de gens qui travaillent. Et ça, c'est extrêmement efficace. Le fait d'être entouré de gens qui vous travaillent et le fait d'avoir un environnement autour de vous qui vous correspond et qui vous encourage à travailler, c'est extrêmement efficace. D'accord Quand vous n'avez personne autour de vous qui travaille, en fait, c'est difficile de travailler. Par contre, quand vous avez vraiment une conf avec des gens autour de vous, euh, vous dites Ouais, ils gèrent et tout, j'ai envie de faire comme eux, et bien ça, ça vous motive vraiment à travailler. Et donc, ça, ce groupe qui vous motive, vous pouvez l'avoir quelle que soit la conf. Et donc, si vous voulez un conseil pour choisir votre conf, tout ce que j'aurais à vous dire, ce n'est pas prenez Hermès ou prenez Califa ou prenez machin, vraiment. Tout ce que j'ai envie de vous dire, prenez celle qui vous paraît être la mieux pour vous. Celle dans laquelle vous vous sentirez le mieux. Parce que c'est vraiment celle où vous pourrez le plus profiter de cet effet de groupe qui travaille. D'accord Après, la qualité des QCM, à mon sens, ce n'est pas le plus important. Il y a des gens qui ont été extrêmement bien réussi dans l'ancienne fac et qui ont pris les conseils de la fac, qui pourtant, ces QCM n'étaient pas forcément bon, mais c'est parce qu'ils sentaient que c'était un environnement qui leur correspondait, qui les motivait à travailler. Et encore une fois, le travail, c'est le plus important. Alors, maintenant, je vais parler un petit peu de comment euh, résoudre euh, les DP. Je pense que vous, vous savez que les DP, c'est quand même l'ère de la guerre. C'est 70% de la note euh, aux ECN, 20% c'est l'EQI et 10% c'est la LCA. Il euh, y a vraiment une méthodologie des DP. Je ne vais pas m'éterniser dessus parce que je pense qu'il y a des gens qui, qui ont, auront plus de temps que moi pour le faire. Mais je vais vous donner les conseils principaux, les core, euh, que, les core euh, conseils, si vous voulez. Prenez vraiment le maximum de temps sur l'énoncé principal. Ça, c'est primordial. En fait, lorsqu'on vous présente euh, votre euh, énoncé au début, ne vous précipitez pas sur la première question. Passez du temps sur énoncé. Passez au moins, je sais pas, enfin, si vous avez une demi-heure pour faire le DP, comme vous réseau au CN, par exemple, prenez au moins genre 5-10 minutes pour lire l'énoncé et pour faire au maximum le point sur énoncé pour en tirer le maximum d'informations. Par exemple, si on, dit, euh, si on vous dit, voilà, le patient est allergique à la eh bien, euh, eh bien, dès lors, déjà, écrivez sur votre brouillon, en gros, en rouge, encadré, allergique à l'amoxycyline, pour ne pas l'oublier. Quant à la question 14, on vous demandera, eh bien, euh, ce qu'il faut prescrire comme antibiotique. Mais vous pouvez même déduire plein d'autres choses à partir de ça. Vous pouvez déjà savoir qu'il faudra prescrire un antibiotique à un moment dans le DP. Et donc, vous saurez automatiquement qu'il y aura forcément un peu d'infectieux dans le DP quelque part. Ou même si, par exemple, on vous dit qu'un patient est allergique à la C3G, dans un dossier de neuro, bien vous dites « Ok, il y a de bonnes chances pour que ce soit une méningite, hein, parce que la neuroinfection, il n'y a pas beaucoup d'autres choses que la méningite, en tout cas aux OCN. » Donc, en fait, vous pouvez déduire énormément de choses rien qu'à partir de l'énoncé principal. Et vous pouvez même vous amuser, entre guillemets, à euh, pré prévoir le diagnostic dès l'énoncé principal. Regardez, par exemple, dans les différents euh, les énoncés de médecine interne ou de néphrologie, dans 90% des cas, vous pouvez déjà quasiment savoir le diagnostic juste en lisant l'énoncé principal. Il n'y a pas 3000 pathologies aux ocn En médecine interne, par exemple, voilà, il y a vascularite et puis il y a des connectivites, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Euh, il y a quelques trucs classiques, mais il y a quelques trucs qui tombent quasiment jamais. Donc on, évidemment, c'est possible que ça tombe. Mais en général, rien qu'en lisant l'énoncé principal, vous avez le plus souvent votre diagnostic. Ou bien deux ou trois hypothèses diagnostiques, mais il n'y a pas beaucoup plus en fait. Et comme ça, c'est quoi l'intérêt en fait de, de prévoir, euh, d'anticiper les choses C'est de ne pas vous faire mener en bateau par le DP. En fait, cette phase rouge, elle résume tout. Ce n'est pas le DP qui doit vous mener en bateau, c'est vous qui devez mener en bateau le DP. Le fait de prévoir les choses comme ça, à partir des nombres initiales, d'avoir une idée du diagnostic, d'avoir une idée de ce qui va se passer après, ça vous permet de ne pas oublier de cocher certaines choses lors de vos QCM. Faut, faut, comme ça, vous comprenez vraiment bien où est-ce que vous en êtes dans le DP. L'idée, c'est que il euh, y a beaucoup d'étudiants qui perdent beaucoup de points juste parce qu'ils oublient de cocher un truc. Et disent ah mince si j'avais su trois questions avant, eh bien j'aurais forcément coché ça. Et donc vous perdez des points bêtement là-dessus. Par exemple, moi, je me rappelle très bien, j'étais en concours blanc. Euh, c'était euh, le G 4 bref, c'était le concours blanc interrégion inter Hauts-de-France où ils posaient la question euh, d'une euh, voilà, patiente qui avait du mal à respirer, etc., etc. Euh, Mais moi, je pensais vraiment une sarcoïdose. Et donc, du coup, euh, ben, euh, à un moment, il pose, pose la question de faire un test euh, tuberculinique ou pas. Et donc, je ne le coche pas, parce que je dis, ben bah non, ça ressemble pas à une tuberculose, c'est plutôt une sarcoïdose. Mais euh, en fait, non, il fallait le cocher. Et, je, et après coup, j'en suis rendu compte. Et en fait, parce qu'en effet, rendez-vous, il faut vous rappeler que dans la sarcoïdose, euh, ça, peut se ça peut se positiver, ce test-là, d'où l'intérêt de cocher cette proposition là Et en fait, si par contre, j'avais fait le point sur l'énoncé principal, je m'étais aussi refait euh, la sarcoïdose dans ma tête, j'avais redéroulé les différents co-signes diagnostiques traitements de sarcoïdose, je ne vous serais pas fait avoir. Et ça, on a tendance à perdre énormément de points de cette manière-là. Donc vraiment, essayez, chaque fois que vous voyez l'énoncé principal, de tirer en faisant un maximum d'informations. Et à chaque fois que ça parle d'une pathologie, par exemple, je ne sais pas, vous pensez que ça va être un DP de lupus, refaites-vous le lupus de tête dans votre, dans votre tête hein, pour essayer de ne pas oublier de, certains, de cocher certaines propositions par la suite. Alors voilà l'idée en fait, n'oubliez pas c'est que euh, si le, le rédacteur met certaines informations dans l'énoncé initial, c'est que ça va vous servir. Par exemple, vous rappelez toujours il y a un DP, question 14, il vous dit, non plutôt, d'abord je commence à l'énoncé principal. Dans l'énoncé principal, dans euh, l'énoncé principal, vous avez euh, l'idée euh, que le patient a des facteurs de risque cardiovasculaire. Par contre, après euh, vous, bon, vous, vous lisez un peu mais vous ne faites pas particulièrement attention. Et puis à la fin, par contre... Euh, à question 14, on vous dit bah voilà, il y a un, le patient, il y a un ulcère, et on vous demande quel type d'ulcère est-ce que c'est, est-ce que c'est plutôt artériel ou est-ce que c'est plutôt veineux. Vous voyez la photo de l'ulcère, vous dites mais je ne sais pas du tout, est-ce que c'est artériel, est-ce que c'est veineux, je sais pas du tout, la photo ça n'inspire rien du tout. Et en fait, si vous vous rappelez que le patient il a facteur risque cardiovasculaire, c'est quasiment certain que le rédacteur a voulu vous faire cocher un ulcère artériel. Si vous mettez des facteurs de risque cardiovasculaire au début, il n'a pas voulu, voulu vous induire en, en erreur, d'accord Il y a une logique partout dans le DP. Donc en fait, si vous mettez des informations dans le c'est que ça vous servira. Ok Alors, oui, euh, en fait, juste pour dire, hein, l'IDR se négative. Hein. Merci beaucoup, Kevin. Euh, L'IDR ne se positive pas, euh, Noah sarkozy Merci, l'interniste. Ensuite, quelques astuces supplémentaires. Ça, c'est primordial aussi. Euh, certains d'entre vous ne le font peut-être pas encore, mais vraiment, euh, c'est indispensable. Pour chaque QCM d'un DP, et même pour les QI, il faut toujours réfléchir à la question dans votre tête avant de lire les propositions. Lisez l'énoncé, et avant de lire les ABCDE, et essayez de répondre à la question de votre tête. Parce que c'est automatique, c'est euh, neuroscientifique en fait, si vous voulez. Chaque fois que vous lisez les propositions avant, elles vont vous induire en erreur. Parce que quand vous allez lire les différentes propositions A, B, C, D, euh, vous allez vous dire Ah oui, ça c'est peut-être vrai, ça c'est peut-être faux, mais du coup ça vous brouille l'esprit et vous n'avez plus de savoir du tout. Donc vraiment, faites très attention à ça. Chaque fois que vous avez une question, essayez de répondre à votre tête avant de, répondre, avant de regarder les propositions. Et l'exemple le plus typique, c'est pour les examens complémentaires. Pour chaque ECG, par exemple. Par pitié, analysez le CG avant de regarder les différentes propositions. Ayez votre ordre systématique dans votre tête pour savoir comment analyser le CG. Et ensuite, une fois que vous avez analysé votre CG, que vous avez remarqué les anomalies qu'il y a, Eh bien ça va être très rapide, vous cochez ce qu'il faut et puis voilà. D'accord Parce que sinon ça va vite fait vous induire en erreur. Ensuite, un autre truc utile, c'est n'alternez pas entre les DP. Certains, ils se disent, ah, DP 4 sur 6. Au DP 4, ah, merde, la question 6, bah, je ne sais pas trop, je rappelle plus trop, dis donc les facteurs pro du myélome. Euh, bah, bah, allez, on va passer au, au DP 5 comme ça, peut-être qu'entre-temps, ça va me revenir en tête. et eh bien, en fait, ne fais jamais ça. C'est vraiment une erreur parce que vous allez confondre les DP et ça, c'est extrêmement grave. Ok Six questions difficiles, du coup, et eh bien, euh, plutôt que de changer de DP, faites plutôt le point. Euh, prenez un peu de recul, dites-vous, ok, où est-ce que j'en suis Est-ce que euh, j'ai bien pris en compte toutes les informations de l'énoncé euh, Est-ce qu'il ne faut peut-être pas voir les choses d'une autre manière Est-ce que je ne peut-être pas me mettre à la place du rédacteur pour mieux comprendre ce qu'il veut de nous Et euh, souvent, ça va vous permettre de vous débloquer. Et si vraiment vous ne vous débloquez pas, n'allez pas chercher trop loin. En fait, aux ECN, vous remarquerez pour chacun des QCM, vous pouvez toujours trouver qu'une proposition est vraie en se disant « Oui, ça, ça donne ça, qui 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 donne ça. » Forcément, de façon extrêmement indirecte, on peut toujours dire vrai pour les différentes propositions. Il faut pas aller chercher trop loin parce que le rédacteur du QCM, lui, il n'aura jamais été cherché aussi loin, hein, j'assure. C'est déjà difficile de créer un DP. On ne va jamais chercher aussi loin lorsqu'on crée des QCM. Donc, ne cherchez pas trop compliqué. Hein, et faites des choses simples. En général, le rédacteur, il ne veut pas vous demander un truc extrême, une réflexion extrêmement compliquée. Okay et ça, c'est avec l'expérience qui vous le dira. À quel point chercher loin est-ce qu'il faut chercher pas trop loin ou trop loin C'est toujours difficile de savoir, ça, ça va être l'expérience qui vous le dira. Est-ce qu'il faut faire des concours blancs Eh bien oui, moi je vous conseille vivement de faire des concours blancs, que ce soit présentiel ou en ligne. Parce qu'en fait, euh, si vous n'êtes si jamais entraîné dans les vraies conditions, vous allez stresser à mort pour les océanes. Vous allez vraiment avoir du mal à vous mettre dans le bain et vous allez vous dire « Ok, j'y suis, mais alors, euh, bon, euh, je ne suis pas habitué, c'est dur. Euh, » Et le stress, c'est très difficile aux vraies océanes. L'intérêt vraiment des concours blancs, c'est d'abord de savoir gérer son stress. Le fait de faire des concours blancs présentiels, et notamment le concours blanc officiel, hein, euh, c'est vraiment de vous habituer à être dans une salle avec tout plein d'étudiants autour de vous qui travaillent pour un truc important avec 6 DP à la suite, c'est fatigant. Et je vous assure que euh, gérer son stress, c'est très important. Le fait d'avoir fait plusieurs concours blancs, ça va vous habituer à ces situations-là, vous stresserez beaucoup moins. Ensuite, c'est aussi gérer son sang-froid. Parce que je vous assure, on a tous déjà vécu cette, euh, cette chose-là, hein, moi-même avant vous. Hein, cette, ce moment où euh, QCM6, hein, euh, qu quels éléments complémentaires faites-vous Scanner, IRM, écho, bon allez, je vais cocher le scanner. Question 7. Vous faites une IRM et là, vous dites, oh putain, je suis dans la merde. Et là, vraiment, vous n'êtes pas content, vraiment, c'est la merde. Donc, ça, ça s'apprend en fait. Ça, euh, bon, on a toujours du mal, hein, mais moi aussi, c'est toujours difficile. Hein, ça arrive encore de faire QCM, c'est toujours difficile, mais vraiment, je vous assure, ça s'apprend, ce sang-froid. Ça va vous dire, OK, Nicolas, c'est pas grave, on va y arriver. Euh, il y a encore plein de QCM par la suite, on va essayer de gérer les QCM d'après. Et euh, voilà, c'est pas grave, il y a peut-être aussi plein de gens qui sont plantés avant. Donc, ça, ça vraiment, ça s'apprend. Et c'est à force de faire les concours blancs en vraie conditions que ça s'apprend le mieux. Ensuite, savoir gérer son temps. Parce que lorsque vous vous entraînez pour euh, des QCM, pour des DP durant la journée classique, bah, vous faites vos DP pas en 30 minutes par DP. Hein. Non, vous faites ça rapidement. Le but quand vous faites des DP dans votre coin, c'est d'apprendre des choses. Par contre, quand vous faites des DP aux océans, le but, c'est pas d'apprendre des choses, c'est vraiment de faire la meilleure perte possible. C'est très différent. Hein. D'un côté, vous faites des DP juste pour apprendre, de l'autre côté, vous faites des DP vraiment pour avoir la meilleure note possible. Hein. Du coup, en aparté, euh, quand vous faites des DP de votre côté, le plus important, ce n'est pas la note. Hein. La note, on s'en fout. Le plus important, c'est d'apprendre des choses. Okay et donc, lorsque vous êtes au vrai vos euh, votre temps, vous ne gérez pas du tout de la même manière, parce que là, il faudra bien prendre votre temps pour chacun des DP, pour ne pas oublier une seule information utile. Et ça, bah, ça s'apprend à gérer son temps. Hein. Quand je vous dis qu'il faut prendre beaucoup de temps sur l'énoncé initial pour bien gérer, bah, ça, ça prend du temps. Et si vous ne euh, si gérez pas votre temps comme il faut, vous, vous finirez en retard, et ça, c'est rédhibitoire. Donc, euh, vraiment entraîner ou à faire les concours blancs, ça permet aussi de savoir gérer ses 30 minutes par DP. Et aussi, aux heures en LCA, très important. Attention, par contre, euh, j'entends chaque année euh, vers allez, vers mars, euh, avril, les étudiants externes qui disent Oh Nicolas, euh, je suis dans la mer je suis de mauvaise humeur, je suis arrivé très mal classé au concours blanc officiel. Et bien en fait, je leur dis Mais en fait, ce n'est pas très important parce que le concours blanc officiel, même tous les autres concours blancs, le classement, ce n'est pas très représentatif. En fait, dites-vous que déjà entre 1000 et 6000, il n'y a pas une grande différence de, de, de notes. Hein. Entre 1000 et 6000, la différence de notes est toute minime, c'est pas énorme. Donc déjà, c'est voilà c'est très proche. Et en plus, Imaginez, je sais pas, il y a 3 dp de cardio et votre pote là, eh bien lui, il a vu euh, déjà la cardio juste avant de faire le concours blanc par chance, alors que vous, dans votre euh, révision, eh bien ça fait un temps fou vous n'avez pas revu la cardio. Ben forcément, vous avez un vraiment classement. D'accord Donc dans tous les concours blancs, vous ne pouvez pas vous comparer aux autres. Parce que certains, ils, ils, ils ont des matières qui correspondent plus à leur programme de révision, etc. etc. Donc, ce n'est pas grave si vous arrivez à classer. Le plus important, c'est de continuer à travailler et de rester motivé. Okay et si vous faites les stages planqués Là, je suis sûr qu'il y a tous les amis de moi qui se posent déjà la question, mais euh, même les externes de Paris me le disent aussi. Hein. Euh, Est-ce qu'en D4, ouais, j'ai envie de passer toute l'année à travailler euh... Alors déjà, en D2 et D3, ça c'est clair, il faut s'investir en tâches. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont en D2 et dans D3, il faut vraiment apprendre le maximum de choses en stage parce que ça opère vraiment de comprendre comment raisonnent les médecins, comment analyser des examens complémentaires dans la vraie vie, etc. C'est etc. indispensable après pour la bonne compréhension des items. En D4, par exemple, la question se pose. En fait, il y a différentes manières de faire. Mais euh, du coup, euh, je ne peux pas vous donner de, 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 de réponse classique. Il n'y a pas de recette miracle, du coup. Certains sentent que les stages leur sont extrêmement bénéfiques. Du coup, euh, pour cela, par exemple, Kevin Chevalier, lui, était comme ça. Euh, il avait vraiment besoin des stages pour se motiver, pour avoir un autre point de vue sur les choses, pour aller au-delà des collèges. Euh, ça, lui, vraiment, il sentait que ça lui était utile. À l'inverse, il y en a d'autres, hein, et je connais beaucoup, qui ne voient aucun intérêt à ces différents stages. Parce qu'ils oui, savent déjà très bien travailler en collège, ils sentent qu'ils apprennent, qu apprennent déjà très bien dans les collèges, et ils sentent qu'ils se font chier en stage, et qu'ils apprennent strictement rien en stage. Et pour ça, en effet, hein, ce n'est pas vraiment très utile d'aller en stage. Vraiment, faites comme vous le sentez. Hein. Après, sachez qu'il y a aussi des stages qui sont euh, pas forcément soit planqués, soit euh, extra-apprenants. On peut aussi trouver des stages qui sont relativement tranquilles, des stages où euh, vous, là, vous êtes... Euh, pas non plus trop pris, mais en même temps pas non plus trop totalement planqué. Ensuite, sachez qu'en en sixième année, vous avez plusieurs périodes de stage. Donc vous pouvez aussi alterner, vous pouvez prendre des fois des stages très prenants, des fois des stages un peu plus planqués, faites votre petit mix à vous. Ça, c'est vraiment selon chacun. Voilà, maintenant, il me, reste, il me reste un petit peu de temps pour parler de la dernière ligne droite et des jours des océans. Cette dernière ligne droite, comme je vous ai déjà dit avant, ça constitue à peu près le mois ou les deux mois avant les océans, voire les 15 jours avant les océans. C'est en fait en réalité le moment où vous vous rendez compte que Ok, je ne peux plus travailler de la même manière que d'habitude. Pendant ces moments-là, eh j'ai envie de dire, euh, ça dépend de chacun. En général, vous savez, vous saurez à peu près euh, ce qui vous conviendra à vous, ce qui vous manque à vous. Mais certains se posent la question. Chaque année, j'ai des étudiants qui me posent la question, Nicolas, je fais quoi Est-ce qu'il faut faire les QCM du cours, machin Je ne sais pas du tout. Et pour cela, bah, je peux leur donner quelques conseils. Hein. Euh, la première question qui revient plus souvent, c'est savoir si on fait plutôt des QCM ou du cours. Grande question. Et encore une fois, là-dessus, il n'y a pas de recette miracle, malheureusement, mais je vais quand même vous donner quelques, quelques infos. Moi, je vous conseille surtout de faire du cours. Pourquoi Parce que déjà, en fait, lorsque vous serez très proche des ECN, je vous assure, vous stresserez quand même un petit peu et vous retiendrez quasiment tout de ce que vous lirez. Vous verrez, c'est magique. Si vous êtes trop fort, vous avez mémoire d'enfer, vous retiendrez quasiment tout parce que déjà, vous êtes stressé, et en plus, c'est tout proche. Et en plus, les DP, à l'inverse, je trouve ça pas très utile. Parce que bah que faire comme DP Certains disent qu'il faut faire des DP parce que du coup, euh, du coup comme ça on peut s'habituer à voir les différents DP qui existent pour savoir comment ça va se diriger après. Mais en fait tout ça, savoir coller les différents DP qui existent et tout, ça s'apprend déjà avant. Vous avez déjà fait normalement beaucoup de DP euh, avant. Et donc ça c'est voir plus à long terme, d'accord Donc tout ce qui est DP, apprentissage de comment faire les DP et tout, en général, ça fait plus avant. Ça ne s'oublie pas en deux secondes. Ça, vous l'aurez largement retenu pendant tout le mois avant les OCN. Par contre, euh, par contre le cours, vraiment, vous avez moyen d'apprendre beaucoup de choses à la fin. Et certains disent bah, il vaut mieux faire les annales. Ben non, parce qu'en fait, les annales, il faut les faire avant. Clairement, pour moi, il faut les faire avant ce dernier mois. Il enfin, faut les faire avant ces dernières lignes droites. Okay Donc, pour moi, le cours, c'est ce qui est a le plus utile. Qu'est-ce que je conseille euh le plus important pour moi, c'est de rassembler vos connaissances et être au clair sur celles-ci. Qu'est-ce que je veux dire par là En fait, pendant vos trois années d'externat, vous aurez travaillé beaucoup, beaucoup euh, d'informations, vous aurez travaillé beaucoup d'éléments euh, que vous aurez pris le temps d'assimiler, de, de comprendre, etc. etc. Et euh, forcément, lorsque vous serez un mois avant les OCN, vous aurez eu le temps d'oublier beaucoup, beaucoup de choses. Toutes ces choses-là, si vous ne les revoyez pas, eh bien, lorsque vous serez aux OCN, ça ne vous aura servi à rien de les avoir travaillées au préalable, parce que vous ne les saurez plus pour les OCN, d'accord donc, à mon sens, le plus important pendant ce dernier mois, c'est d'essayer euh, de rassembler toutes ces informations pour essayer d'être le meilleur à ce moment-là. Pour essayer de rassembler tout ce que vous avez pu apprendre au préalable. Et en fait, c'est assez rapide hein, de voir toutes ces choses-là, de les réviser parce que vous les avez déjà travaillées. Toutes ces choses que vous avez travaillées, ce serait bête de ne pas les revoir parce que vous pouvez les revoir très rapidement. Vous pouvez revoir beaucoup de choses très rapidement. Ok Donc, toutes ces choses-là, l'idée, c'est d'essayer de les rassembler pour... Euh, voilà, vous avez ce niveau de connaissance tout du long et puis... Euh, après, vous essayez d'acquérir toutes ces connaissances en même temps pour juste au moment des océans. Pour ces trois jours des océans, essayez d'avoir toutes ces connaissances à ce moment-là. C'est n'est pas facile du tout, mais il y a moyen d'avoir beaucoup de choses en tête à ce moment-là. Vous pouvez aussi, c'est vraiment le meilleur moment pour avoir une vision globale des choses. En fait, c'est derrière la ligne droite, c'est vraiment le meilleur moment pour avoir toutes les spécialités en même temps en tête. C'est en fait le seul moment où vous aurez une vision globale de toute la médecine, même le seul moment de votre vie. Vous aurez une vision la plus globale de toute la médecine, en fait. Donc, c'est là, à partir de là, vous pourrez vraiment faire des liens que vous n'aurez jamais fait avant, parce que c'est à partir de là, vous pourrez vraiment avoir une idée globale de tout ce qui se passe. Okay Donc, moi, je dis vraiment, essayez de réviser vos, connaiss vos connaissances plus que de vous plonger euh, dans de nouvelles choses. Par exemple, essayez de comprendre les mécanismes d'action des médicaments de la, la, la sclérose en plaques. Ce n'est pas le plus important à ce moment-là. Essayez plutôt de vous dire, OK, qu'est-ce qu'il y a en cardio Ça, ça fait ça, etc. Okay Et un petit peu, selon moi, un petit peu d'entraînement. En conditions réelles type OCN, parce que ça va vous permettre de vous réhabituer à faire 6DP, 128 ou 2 LCA. Ça me semble important. Si vous ne vous habituez pas, vous allez stresser le jour des OCN. Donc moi, ce que je conseille, c'est de faire au moins une fois euh, une session de 6DP en conditions réelles. Le mieux c'est d'être avec des amis autour de vous qui planchent en même temps que vous, comme si vous étiez au réseau OCN, hein, sans parler entre vous. Euh, comme ça, vous vous réhabituez à gérer votre stress, à gérer votre temps, parce qu'on fait rarement 6 dp d'un coup. Donc je pense que c'est important de le refaire un petit peu avant les OCN. Pareil, entrez vous, à refaire cuits au moins une fois, parce que sans un QI, on fait ça rarement en fait. Hein. Et euh, ça vous aussi de gérer votre temps, de gérer votre fatigue sans c'est extrêmement crevant. Donc ça de, voilà, de vous de vous rappeler à peu près ce que c'est. Et refaites au moins, une, au moins une fois, voire même plusieurs fois deux LCA. Deux LCA, c'est extrêmement important parce qu'en général, quand on fait les LCA, on en fait qu'un seul. En réalité, l'épreuve de LCA, c'est extrêmement important de savoir gérer l'épreuve de LCA spécifiquement, euh, parce, que, euh, parce que la LCA, est certes, il y a des connaissances, mais il n'y a pas tant que ça. Le plus important, c'est la méthodologie spécifique de l'épreuve. Et donc c'est important de savoir se réhabituer à utiliser cette méthodologie en faisant deux LCA à la suite. C'est savoir quel article commencer, combien de temps prendre pour chaque article, etc. etc. Et en présentiel, si possible, comme je vous disais, hein, s'entraîner avec des amis autour de vous. Alors j'ai euh, Léonie Brissot qui me demande, la LCA, comment tu l'as bossée euh, Je pourrais passer un temps fou à vous parler de ça, alors je n'ai pas énormément de temps. Euh, moi, ce que je vous conseille, c'est essayer de comprendre un minimum le cours, avoir de bonnes notions de cours, et ensuite, une fois que vous avez bonnes notions de cours, de vous entraîner à faire deux LCA à la suite plusieurs fois. Moi, notamment pour la dernière ligne droite, j'ai fait, fait pas mal de deux LCA à la suite. Euh, en plus, bon, je bien les LCA, du coup, ça aidait un petit peu. Hein. Et ça a permis voilà, de, de voir une méthodologie très blindée pour les LCA. Euh, je, je savais extrêmement précisément ce qu'il fallait faire au niveau méthodologique lorsque j'étais arrivé aux ECN pour les LCA. Comme ça, je avait pas de stress, je savais très bien ce que je devais faire très précisément. Et moi, ça a été plutôt utile. Donc, voilà. Euh, je continue. Si j'arrive. Ensuite, les jours et Donc, je vais terminer euh, là sur, euh, sur, sur, euh, sur ces trois derniers jours. Sur ces trois derniers jours que viennent de passer vos amis qui sont actuellement en D4, hein, qui viennent juste de terminer. Euh, D'ailleurs, je les félicite tous. Hein, euh, J'espère que ça a été pour eux. Ces trois jours, vous verrez, c'est un peu euh, l'apocalypse. Vous voyez, c'est un peu le. La fin de la fin, vous sentez que c'est la fin de votre vie, après ce ne sera plus du tout pareil. C'est euh, trois jours pendant lesquels euh, tout est un peu différent. En fait, pendant ces trois jours, il y a certaines choses très importantes qu'on a tendance à oublier, euh, et j'ai vraiment envie de vous les dire tout de suite. Le stress, c'est le fléau des océans. Je vous assure, chaque année, il y a plein, 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 plein d'étudiants qui ont des bien moins bons classements que d'habitude, juste parce qu'ils ont stressé, d'accord et à l'inverse, il y a aussi des étudiants qui ont beaucoup mieux réussi d'habitude, parce qu'ils ont plutôt bien géré leur stress, d'accord Moi, pour être honnête, j'ai eu la chance de faire partie de ceux-là, j'ai eu un bien meilleur classement dans, aux ECN que, que lorsque vous avez, que lors des conférences d'étudiants. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus, les conférences, souvent les QCM sont un peu différents de lors des, des vrais ECN, donc moi c'est vrai que j'ai été beaucoup entraîné sur les annales, qui sont plus axées sur la compréhension que les conférences d'étudiants, et donc c'est vrai que peut-être que ça m'a aidé aussi pour avoir un bon, une meilleure classement, bref. En tout cas, il faut essayer de ne pas trop stresser le jour de CN. Alors, forcément, c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, il faut savoir que plus vous prévoyez comment se passent ces trois jours, moins vous stresserez le revenu. D'accord Et c'est extrêmement important, en fait, de tout prévoir de ce qui se passe à l'avance, tout prévoir la logistique, comment ça va se faire. Ah, Kevin me signale. Oui, oui, tout à fait. Hein, c'est demain, mercredi, c'est demain que se finissent les D4. Hein. Euh, c'est pas aujourd'hui. J'espère que ça ira pour le dernier jour. Plus vous prévoyez comment se passeront ces trois jours, moins vous serez en stress selon venu. Parce que si vous ne savez pas du tout comment ça va se passer au niveau logistique, mais lorsque vous serez présent, c'est physiologique, lorsque vous avez plein d'informations qui vous arrivent à l'esprit, vous, vous stressez plus. Hein, je pense que vous avez peut-être déjà eu des cours de psychologie qui vous ont expliqué que la réponse au stress, c'est simple. Lorsque vous avez plein d'informations que vous n'êtes pas habitué ou c'est nouveau pour vous, vous stressez. Donc le but, c'est de diminuer au maximum les inconnus pour que la seule inconnue qui reste, ce soit les questions qu'on vous posera. Essayez de tout faire en sorte que ça se soit prévu. Par exemple, toutes les questions que vous pouvez vous poser au niveau de l'organisation, eh bien, euh, eh il faut savoir euh, ce que vous allez faire. À quelle heure vous allez vous lever Comment vous allez vous rendre sur les lieux Est-ce qu'il faut réviser avant chaque épreuve Et Où est-ce que vous allez manger le midi Et qu'est-ce que vous avez envie de faire le midi Est-ce que vous avez envie de parler avec des amis Est-ce que vous avez envie euh, de vous entraîner ou bien de lire des livres euh, Est-ce qu'il faut discuter des sujets avec vos amis Par exemple, je sais qu'il y a des gens eh bien, ils ont besoin de parler avec leurs amis, de savoir s'ils ont mis A ou B à la question 14 du DP6. Euh, à l'inverse, il y en a, ils ne peuvent pas, parce que du coup, ça les fait stresser. Donc, ça, ça c'est... Il faut faire très attention. Par exemple, moi, je savais très bien que je détestais discuter des sujets après, après les avoir faits. Et donc, bah, dès que j'avais fini les sujets, bah, je me barrais chez moi euh, sans parler à quiconque. Je savais très bien que j'allais faire ça comme ça, OK Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Hein. Des fois, on s'est un peu alpagué par les autres. Non, je savais que j'allais faire ça, OK est-ce qu'il faut réviser le soir Parce que certains, ils ont besoin de se reposer, d'autres, ils ont besoin plus de réviser, ça, ça dépend vraiment de chacun. Ça, du coup, ça dépend vraiment de chacun, hein. mais essayez de le prévoir à l'avance. Le mieux pour le prévoir, c'est essayer de tester lors du concours blanc officiel. Le concours blanc officiel, l'intérêt, c'est certes de vous habituer à travailler dans les conditions réelles, mais surtout aussi de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas au niveau de votre manière de faire euh, lors de vraies conditions, d'accord et pareil, lors de vos concours blancs non officiels, essayez si possible de les faire sur trois jours un peu comme aux océans. Comme ça, vous vous habituez aussi à gérer toute cette logistique. Vous voyez donc ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour vous. Et comme ça, quand vous, vous arriverez aux OCN, vous saurez très précisément votre plan d'attaque pour savoir tout ce que vous allez faire en dehors des questions. Et la seule inconnue qui doit rester, c'est les questions qu'on vous posera. Okay le seul truc que vous ne savez pas, c'est, OK, je ne sais pas du tout quels des ils vont me poser, mais c'est le seul truc que je vais découvrir. D'accord le sommeil. Le sommeil, c'est un point important, hein, et pourtant, c'est souvent oublié. Il y a plein d'étudiants qui dorment très mal, euh, parce qu'ils ont une mauvaise hygiène de sommeil. Pourtant, il y a moyen de dormir pas trop mal. L Être en forme, vraiment, c'est un gros plus. Moi, j'avais plutôt bien dormi, et je pense que ça m'a été euh, favorable. En fait, il y a des trucs qui sont vraiment semblent évidents, d'ailleurs, c'est marqué dans le collège de psychiatrie, dans le collège de neuro, C'est marqué partout, mais pourtant, il n'y a pas beaucoup de monde qui les suit, et pourtant, c'est très efficace. Ayez un rythme régulier de lever, coucher. Ok si pendant un mois ou même plus avant les OCN, vous vous couchez toujours aux mêmes heures et vous mettez toujours votre réveil à la même heure, eh bien, je vous assure que le jour des OCN, vous allez, euh, votre rythme mais il va être habitué, votre rythme circadien va être habitué à vous endormir à cette heure habituelle. Et pareil, lorsque votre réveil sonnera le matin, eh bien, vous ne serez, serez pas particulièrement fatigué parce que eh bien, vous êtes habitué à se lever à cette heure-là. Alors que les gens je sais pas, qui ont l'habitude de se lever à 10h du matin pour les réviser, qui le jour de la scène, eh il se réveille à 6h30, là ah ouais, ils vont être crevés, là, ça c'est certain. Hein. D'accord, faites attention à ça. Et ensuite, ce qui marche bien aussi, c'est d'avoir un petit rituel avant de vous coucher. Par exemple, moi, je lisais toujours un petit bouquin, un roman euh, où je ne me prends pas la tête euh, avant d'aller me coucher. Et ça, ça marche plutôt bien. Voilà, ça permet de. Enfin, plutôt, j'aime coucher et ensuite j'étais à la lumière après avoir lu. Ça permettait voilà, de me poser, de mettre mon cerveau à côté pour ensuite dormir tranquillement. Ça permet de préparer son cerveau à bien dormir. OK Comme ça, dès lors que vous lisez comme ça, votre cerveau bah, il se dit OK, on va bientôt devoir dormir. Tout ça, c'est les conseils que donne à tous les patients en médecine du sommeil. Et pourtant, ça marche plutôt bien et pas beaucoup d'étudiants le font. Moi, par exemple, pour vous donner une idée, euh, je me levais à 6h30 tous les jours, sans exception, quasiment, depuis, mon, depuis le début de ma, de ma sixième année, et j'ai continué comme ça, je me couchais plus vers 20, 22h30 et quelques, ou 23h, et euh, du coup, après, bah, le jour de scène, bah, je me suis couché même mêmes heures, certes, j'ai eu un petit peu mal à dormir, mais je me suis quand même dormi relativement rapidement, genre, je ne sais pas, à minuit, et euh, du coup, j'ai dormi jusqu'au moment, et au moment où mon réveil a sonné, je n'étais pas particulièrement fatigué, d'accord euh, pour certains, euh, je sais que certains ça marche, accumuler du sommeil la semaine précédente. Moi j'arrive arrive pas, mais je sais qu'il y a certains qui savent que ça marche bien pour eux. Si vous dormez beaucoup la semaine précédant les OCN, et eh bien vous pouvez accumuler, accumuler du sommeil et du coup être d'autant plus en forme pour les jours des OCN. Donc si vous, vous savez que ça marche pour vous, n'hésitez pas. Et après, n'oubliez pas qu'il ne faut pas s'attendre à bien dormir parfaitement. Hein. 100% des étudiants ont du mal à dormir le jour aux OCN, je pense. Ou 99,9%, ok même moi, vraiment, je fais très attention à mon hygiène du sommeil, et pourtant ce n'est pas parfait non plus, forcément, je stressais un petit peu. Donc si jamais vous avez du mal à dormir, c'est normal, ok Faut pas stresser, faut pas que ce soit un cercle vicieux, faut pas se dire, ah, j'ai du mal à dormir, bah du coup, merde, je vais peut-être être fatigué demain, et du coup, bah, vous stressez encore plus, et du coup, vous avez encore plus de mal à dormir, voyez Non, si vous avez du mal à dormir, c'est normal, d'accord Ce n'est pas grave, comme tout le monde, vous avez un peu mal à dormir, ça va revenir, et puis voilà, ok si vraiment vous voulez prendre un somnifère, je sais qu'il y en a qui sont adeptes des somnifères, c'est rare, hein. il n'y a pas grand monde qui prend ça, hein. vous ne pensez pas que c'est la normale, mais je sais que certains ils ont besoin des fois de prendre un somnifère. Eh bien j'ai au moins quand même deux, deux, deux conditions indispensables à vous conseiller. Toujours la demi-vie la plus courte, ça c'est le bazo qui a la demi-vie la plus courte, mais voilà, renseignez-vous, parce que sinon, si vous prenez une demi-vie longue, vous serez crevé le lendemain, évidemment. Pareil, toujours avoir essayé au moins plusieurs fois auparavant. C'est indispensable parce que si jamais vous faites une allergie, vous êtes dans la merde. Si jamais vous prenez une molécule qui vous met à plat pour le lendemain, vous êtes dans la merde. Okay hein Désolé d'être un peu vulgaire, mais ce serait rédhibitoire, ce serait bête. Donc c'est con, hein, mais essayez pendant le concours blanc. Je sais pas si, si vous voulez absolument prendre des soins et faire plus tard, bah essayez au moins une fois pendant le concours blanc. Bon, bon, vous stresserez un petit peu. Ou bien essayez, je sais pas, une semaine ou deux semaines avant les océans. D'accord Ensuite, euh, pour les jours aux ECN, ça c'est Théo Pézel qui parlait de ça dans son bouquin de méthodologie, parce qu'il avait écrit un petit bouquin de méthodologie une fois, et c'est pas con. Hein, moi, est-ce que je, voilà, je, je sors mon ordonnance, je vous prescris un petit traitement symptomatique, euh, voilà, pour euh, trois jours, hein, euh, quand c'est suffisant pour trois jours des ECN, prenez, je pense, du lopéramide le matin, ou au moins un, euh, un antidiarrhéique, parce que c'est normal, c'est physiologique, vous allez avoir la diarrhée. Je pense que euh, voilà, votre système orthosympathique qui va s'activer vous êtes un peu stressé et c'est très désagréable d'être dans cet état donc je pense que c'est indispensable pour vous euh, voilà, de prendre de prendre un peu ça essayez moi une fois avant encore une fois hein, mais comme ça vous ne serez pas embêté moi je fais ça et plus, plus, ça je n'étais absolument pas embêté essayez par exemple dans le concours blanc officiel hein. Euh, pareil, euh, prenez du paracétamol si vous avez peut-être des céphalées. On ne sait jamais peut-être que vous aurez des céphalées de tension. Hein. C'est typiquement lié euh, au fait qu'on réfléchisse beaucoup, au fait qu'on soit fatigué, etc., etc., Donc, ou même certains qui ont l'habitude d'avoir euh, des céphalées de ce jour-là, n'hésitez pas à prendre du paracétamol, une plaquette à côté de vous au cas où si vous avez besoin. Okay Maintenant, quelques conseils euh, en vrac. Il me semble important de prendre de l'eau, hein. ça, ça fonctionne aussi bien en passesse, hein. tous ces conseils-là ça fonctionne bien, mais l'eau c'est très important parce que vous savez tous aussi bien que moi que euh, la natrémie ça conditionne aussi le fonctionnement de vos neurones, hein. je ne suis pas neurologue pour rien, et euh, forcément si vous êtes en hypernatrémie, si vous ne buvez pas assez, vous aurez du mal à réfléchir, c'est automatique. Hein. Donc vous prenez de l'eau, si vous avez soif ce sera beaucoup mieux, d'accord Prenez aussi des barres de céréales, gâteaux bonbons, des trucs sucrés, n'oubliez pas que le sucre ça fait aussi fonctionner vos neurones, et euh, ça, peut aussi, ça peut vous donner un peu d'énergie, c'est agréable en fait. Par contre, il faut pas non plus en prendre trop, il hein. ne faut pas faire digestion euh, comme certains qui m'ont dit ça. Voilà, euh, ouais, raisonnez-vous. Reposez-vous un minimum tous les 2 ou 3 dp. Je pense que c'est très utile parce que c est, c est, les dp, c'est extrêmement crevant. Hein. Vous allez voir quand chez les 6 dp à la suite, au 5e, 6e, vous allez être à plat, vous n'allez plus, mais vous allez lire un mot sur deux lors des énoncés, vous allez vraiment avoir du mal, donc reposez-vous un petit peu. Prenez genre une minute, vous posez, vous vous mettez sur votre chaise, hein, vous regardez un peu autour de vous, euh, ça vous change un peu l'esprit et après vous replongez dedans, d'accord Pareil pour la LCA, je pense que c'est quasiment indispensable euh, de se reposer ne serait-ce qu'une minute entre les deux LCA, même si le temps est compté en LCA, je pense que c'est important voilà, de reposer un peu votre cerveau pour vous dire ok, voilà ce que j'en suis, voilà tant de temps qui me reste, euh, maintenant on va, y, on va y aller tranquillement, ça vous permet d'être plus en forme pour la suite. Pareil, c'est utile je pense de reposer dans son cerveau un minimum le midi. Pour avoir les idées claires par la suite, comme je vous dis, les DP c'est extrêmement crevant, même les les, les QCM c'est extrêmement crevant. Et euh, lorsque vous avez déjà fait, euh, je sais pas, 128 le matin et qu'après l'après-midi vous avez encore 6 DP à faire, ben, je vous assure que euh, euh, les DP, si vous n'avez pas reposé un peu avant, vous allez avoir du mal. Donc le midi, moi ce que je faisais, ce que ce qu'on conseille après, évidemment c'est comme vous voulez, c'est voilà euh, ouais, de me mettre, euh, de fermer un peu les yeux, de ne rien faire, de ne penser à rien euh, pour reposer un bon peu mon cerveau le midi. Comme ça, après, je serai un peu plus relaxé, je serai un peu plus euh, clair dans mes pensées pour l'après-midi. OK allez, aux allez, par pitié, allez aux toilettes avant le début de l'épreuve. Euh, ça coûte rien, ça prend pas beaucoup de temps ça... et en plus bah, ça peut vous faire gagner un temps fou euh, lors des épreuves parce qu'imaginez si vous avez envie d'aller une voire deux fois aux toilettes déjà vous devez attendre le temps que la personne voit votre petit doigt levé euh, en plus et bien vous devez monter, vous vous culpabiliser un peu de dire elle bah, va peut-être penser que je que machin tout ça euh, ça ça prend du temps et si jamais vous n'avez pas le temps de terminer le, preuve, de, le dernier dp bah, vous allez vraiment vous en vouloir ça coûte rien je pense c'est utile Évitez de manger trop lourd le midi euh, c'est simple, hein, la digestion, c'est fatigant. Donc, si vous mangez trop lourd le midi, ben, vous allez digérer pendant les dépêts l'après-midi, ça va être plus difficile de réfléchir. Hein. C'est une expérience. Hein. Moi aussi, lors du concours blanc, j'avais mangé lourd, frites, hamburger et tout, et après, j'avais vraiment du mal à réfléchir. Pareil, moi, j'avais prévu de manger le plus tôt, hein. dès que j'avais terminé l'épreuve du matin, j'allais directement manger comme ça, après, je digérais moins pour l'après-midi. Je ne sais pas si ça marche, mais je pense que ça peut être utile. Et ensuite, un conseil extrêmement important euh, qu'il faudra retenir tout le long des épreuves, hein, c'est souvent ma mantra à ce moment-là. Ce qui est fait est fait. Si vous êtes planté sur une question, eh bien, c'est pas grave, c'est passé. Maintenant, ce qui reste, c'est la suite. Trois jours, c'est pas bien long. Et euh, voilà, si vous avez eu une faute, c'est pas grave. Il y a peut-être aussi plein de personnes qui ont fait des fautes. Maintenant, ce qui compte, c'est ce qui reste à faire. Ok Voilà. Eh bien, en conclusion, j'ai en... envie de vous dire bon courage euh, pour, euh, pour votre sixième année. J'espère que cette compte vous aura été utile. J'espère que vous aurez appris des choses utiles. Vous aurez remarqué qu'il y a des choses qui sont vraiment pas consensuelles du tout. Donc pour ces choses-là, faites comme vous voulez. Vraiment, faites les choses qui vous sentent être, qui vous semblent être le mieux pour ces choses-là. Pour toutes les choses où j'ai écrit pas de recette miracle. Et puis par contre, je pense que vous avez peut-être eu quelques quelques notions intéressantes. Peut-être que vous avez pu piocher quelque chose, quelques trucs intéressants à côté de ça qui marche. Je pense pas trop mal. Euh, donc voilà. N'oubliez pas qu'il faut pas être trop anxieux si jamais vous allez à la BU ou pas à la BU. Euh, Il voilà, y a des choses, vraiment, ce n'est pas consensuel du tout. Pour ces choses-là, vraiment, faites comme vous voulez. Et puis, à cause de ça, n'oubliez pas, le plus important, c'est de travailler. Voilà, j'espère que, euh, que vous avez bien passé votre sixième année. J'espère que euh, vous êtes motivés, que vous avez la niaque pour euh, bien travailler maintenant. Et euh, je vous remercie tous euh, pour votre attention. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, du coup, je vais mettre en route euh, le, le chat euh, ici. Alors, du coup, je regarde un peu les dernières questions, hein, mais je pense que du coup, euh, Kevin elle, a dû probablement être euh, au taquet sur les questions. Euh... Ouais, donc globalement, Kevin a été au taquet, hein, dis donc. Je regarde un peu s'il y a des questions là, à, la, à la fin. Alors, forcément, il y a un petit décalage hein, entre le moment où, où je parle et le moment où vous voyez. À partir de quel rang on peut espérer avoir tel SP Eh bien, ça, regardez, il y a le site officiel des ECN, sur le site du CNG, du Conseil national de gestion. Eh bien, euh, vous, pourrez, euh, vous pourrez voir pour chaque spécialité le rang limite. Le premier prix et aussi le rang limite pour chacune des spécialités, pour chaque ville. D'accord Donc, cherchez sur Internet, sur CNG, vous pouvez trouver ça, c'est très facile à trouver. Qui va gagner ce soir Eh bien, euh, bah, je ne sais pas, j'espère la France. Ça, c'est très difficile à dire. Mais bon, euh, moi je ne suis pas le match, hein, peut-être que certains ont la télé à côté. Et euh, eh bien, euh, voilà, donc du coup, euh, je verrai. Alors, Oui, il y a Esther qui veut discuter avec moi. Oui, j'ai vu ça. Donc du coup, je vais essayer de, de lui envoyer un message par la suite. Hein. Voilà, donc j'espère que. Euh... <laughs> il y a des gens qui mettent AA sur le truc des Kevin. Voilà, j'espère que vraiment euh, vous avez passé une bonne décade. Je suis vraiment tout cœur avec vous. Euh, je vous souhaite vraiment une bonne soirée.